Chris Maker TV and the Beat. Chris Maker TV and the Beat. Thank you.
parti pour l'émission spéciale. Bon, on voit pas ma tête, attends, je vais la mettre. Mais c'est parti pour l'émission spéciale, truc de foot. Spéciale Coupe du Monde pour ce premier match des Bleus. Salut Papa Furax, salut Franck, salut Drixinho, ça va les gars? Ça va et toi? Ouais, bah après une belle victoire. T'as marqué un but ce soir, poteau. Hein, Z, t'es rentré, t'as mis un ciseau retourné. Est-ce que je vois 5-1? Je l'ai pas vu ton but. Non merde, dites-moi. Il arrive à se tromper sur le. Vous savez pas. Pour faire truc de foot, les gars. C'est pas possible. Vous savez pas le nombre de trucs maintenant que je suis obligé de faire. Et en plus, il y a Tarek, c'est le buteur. C'est Tarek, le cinquième buteur. C'est le passeur décisif, Tarek. Moquez-vous. C'est du boulot. J'essaye de faire vite. On s'en fout, c'est ton boulot. Non, mais les gars, vous avez pas compris, les gars. Il nous a donné le pronostic du prochain match contre le Danemark. Merci, Poto. Merci, Poto. Non, mais c'est compliqué. Ah, troisième étoile, le live sans cascade, c'était tout à l'heure. Hein. Tu vas te taper la réponse en pipe toi. T'es pas là. Ouais, attends, ça se savoure rarement ce truc. Bon, alors, magnifique match ce soir, tout le monde est content. C'est incroyable, super début. C'est quoi le record, Drixinho, dont tu parlais en off là? Les Bleus ont mis. Alors, c'est la première fois depuis 1958 que les Bleus mettent 4 buts lors d'un premier match dans une compétition officielle. 1958, les gars. C'est pas rien quand même. Hein. Superbe soirée. Donc dans le chat, dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. C'était super. On va donner nos avis. On commence tout de suite avec toi, Franck. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? Comment tu vois le délire? Bah, c'est ça que moi je veux. C'est cette équipe de France que je veux, même si ça a commencé de manière bizarre. On veut une équipe offensive. On a les joueurs pour. Va chercher les adversaires. Voilà. C'est l'Australie. Tu les tartines, c'est tout. Donc ça fait plaisir. Deschamps, quand il y a un adversaire faible, assume. Arrête de vouloir à moitié bétonner, pas prendre de risques. Ça m'énerve. Là, il y est allé. Il faut continuer comme ça. On a les gens pour faire des choses intéressantes, pour faire du spectacle. Tout le monde a kiffé ce soir. C'est ça qu'on veut. Il faut assumer. Oh. Ok, c'est cool. Papa Furax, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ah chier, je me suis emmerdé, mais d'une force. Non, t'étais... Oh putain. Non, t'étais content. Et j'étais content. Je suis content, tout simplement. Je suis content. J'ai eu un quart d'heure, 20 minutes au début où je me disais aïe, la blessure, le but, le oh là là, et puis en plus ça tâtonnait, ça dormait un peu. J'ai dit mais ça y est, la malédiction du champion. Et là, tout d'un coup, Théo Hernandez a réveillé le match et tout le monde a été bon. Giroud, il en a marqué 2 alors qu'il n'en avait marqué aucun à la dernière Coupe du Monde. 2, il égale Thierry Henry. Giroud. Et justement dans le chat, il y a Vince Cobra qui dit Giroud légendaire, Clément Banquin qui nous dit Giroud loupe le but de l'année, la retournée. Ah oui, le geste était parfait. Il y a juste le pied, comment il tape pas bien le ballon, mais si tu décortiques le geste au ralenti, non mais tout est parfait. Il y a juste, il était super. Il tape pas bien le ballon, mais le geste était parfait. Et bien évidemment, c'était pas cadré. Déjà avec le fait de tenter ça, tu sens qu'il était en confiance. Ah ouais. Mais il entend souvent, hein. Il entend souvent. Il a déjà marqué des buts improbables. Hein. Je vous demande juste, allez juste taper les buts de Giroud sur Internet, vous allez voir. Il marque le but du scorpion qu'il avait marqué aussi. Il y a The Gaming qui nous dit incroyable, troisième étoile qui nous dit je suis pressé d'être au deuxième match. Exalite qui nous dit belle retournée de Giroud. Ouais, mais c'est pas rentré, dommage. Tilulu qui nous dit très bien pour l'équipe. Elidju, bonsoir la team, content de ce premier match. Tout le monde est content de toute manière, ça serait bizarre de dire le contraire. Tilulu qui nous dit Hernandez a été fracassé, Giroud, c'est magnifique. Alors, Drixinho sur le match de Giroud, le fait qu'il ait marqué, il n'avait pas marqué en premier mondial. Là, il est arrivé en forme. Tout le monde disait que Giroud était en forme. On attendait qu'il le confirme, mais on savait que dans son club, il était en pétard. Et là, il confirme. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Giroud, c'est une magnifique histoire le concernant, parce que c'était pas un mec au départ qui était programmé pour être ce genre de joueur. Et après tout ce qu'il a pris dans la gueule, ce qu'il a morflé, et quand on pense que Deschamps n'a pas failli le prendre, donc c'est vraiment une très très belle histoire. Maintenant, en général, quand nos avant-centres ne marquent pas, on est champion du monde.
Je veux pas être mauvais augure. Mais si on rentre que dans les stats là, les trucs bizarres non, là. Je plaisante, bien évidemment. Il faut bien de temps en temps mettre quelques. Mais non, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Giroud, il a été à l'image ce que les joueurs, battant, présent. Bon, voilà. Et puis c'est super. Mais bon, c'est aussi surtout grâce à un travail collectif, tout ça. Comme dit Franck, moi je suis d'accord avec lui dans le sens où on a commencé à être bon. Quand on a commencé vraiment à les presser haut, à être dans la pack, à être agressif, les deux premiers buts arrivent comme ça d'ailleurs sur des récupérations hautes. Donc j'espère qu'on reverra ça encore sur les prochains matchs. Maintenant, je vois des 3 étoiles partout. On va pas s'enflammer, on va pas se laisser attraper par le karma. Step by step, les gars. Hein, justement, il y a The Saiyajin qui nous dit très bon taf de Dembélé pour son retour en équipe de France. Il y a 3ème étoile qui nous dit même les supporters étaient au top. Et il y a Faf Nir qui nous dit pas d'accord avec Papa Furax. Seul Giroud et Théo Hernandez étaient bons, le reste poubelle. Alors, quel est. On va prendre des arguments, s'il te plaît. Parce que là, tu vois, ça m'énerve, ça. Non, mais lui, amène-moi des arguments. Non, c'est pas regarder le match. C'est pas la première fois qu'il dit ça, mais malheureusement... Alors attends, lui, c'est pas la première fois qu'il sort des commentaires comme ça, mais il est à l'image aussi du public, il y a des gens qui pensent comme lui, donc on va retenir son commentaire et vous allez lui répondre. C'est un youtubeur, quoi, voilà, que c'est un mec qui regarde les matchs, qui regarde les résumés, les buts. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui, vous non plus apparemment, mais il y a des gens qui pensent comme lui. Il a le droit de le penser. Mais nous, on a le droit de lui dire que change de sport. Il dit de la merde, c'est tout. Bonsoir Catwoman. Justement, il dit de la merde quand il dit que seul Hernandez et Giroud étaient bons, le reste poubelle. Alors, on va faire du cas par cas, mais pour vous, quel est l'homme du match? Alors, Drixinho, quel est l'homme du match pour toi? L'homme du match, au vu du doublé, je pense qu'on va mettre Giroud, même si on pourrait ressortir d'autres joueurs. Dembélé était très bon sur son côté droit. Kylian a fait son match. Un joueur où on a, et c'est là que je vois qu'il y en a qui devraient changer de sport, mais il y a un mec qui a un rôle crucial dans cette équipe et dans le jeu de devant. On vous en a parlé avec Franck, c'est Antoine Griezmann. Et Griezmann, sur ce match-là, était très bon. Et il a créé le lien qu'on voulait. Et à un moment donné, on a même vu Griezmann être dans un milieu à 3 quand même, c'est-à-dire revenir, aller récupérer des ballons. Il a un rôle hyper crucial, surtout en l'absence de Benzema. Tu sais pourquoi personne n'en parle? Comment on est dans le foot d'aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas marqué de but. Sinon, je mettrai homme du match parce qu'il faut en mettre un. Je vais mettre Giroud parce qu'il a mis un doublé. Mais je te dis, on aurait pu mettre Dembélé aussi qui a été très bon. Rabiot, on aurait pu mettre également Rabiot qui a été très bon parce qu'il met donc un but plus une passe décisive pour un milieu relayeur. Et il y en a un aussi que je vais rajouter parce que je l'ai toujours défendu, même si en équipe de France, malheureusement, il n'a pas toujours été très bon. Mais pour ceux qui suivent le football, ils doivent le savoir, c'est ou pas Mécano, que j'ai trouvé très bon en défense centrale. Maintenant, si Fatih, tu vas être content, s'il y a deux joueurs qui aujourd'hui, pour moi, n'ont pas le niveau, on en discutera tout à l'heure, c'est Pavard et Konaté qui, pour moi, doivent sortir du 11 de départ. Voilà. Ok, alors, Papa Furax, pour toi, quel est l'homme du match? Il n'y en a pas, mais l'air de rien, un mec comme Théo Hernandez a changé la physionomie aussi, du match. C'est vrai. Théo Hernandez a changé quand il a remplacé son frère. On était un petit peu sous le choc. Je faisais dans ma culotte carrément, hein, je te le dis tout de suite. Moi, j'étais derrière l'écran, là, je regardais même plus les youtubeurs ni rien, j'avais tout coupé, j'ai dit je me focalise sur le match, parce que là, ça, j'ai pas envie de lire les chats, parce qu'il y en a certains qui vont me donner envie de taper, quoi. Donc, je me suis concentré sur le match, et Théo Hernandez, à part passer le quart d'heure là où il a dû se préparer, etc., enfin se mettre en place et tout, il a changé le match. Et après, tout a changé. Alors, Pavard, qui lui ne faisait pas les passes à Dembélé, qui lui était chaud, ça m'énervait aussi. Mais sinon, Rabiot était bon, Mbappé était bon, Griezmann, au moins, on va dire, les deux tiers du match, il a été bon. Giroud, il a failli marquer un triplé et devenir le recordman de buts en équipe de France. Alors, trouver que deux joueurs ont été bons, alors qu'au moins la moitié de l'équipe a tenu son rang, voilà. J'ai pas d'homme du match. Ils ont vraiment bien joué en équipe. Alors, avant de passer à toi, Franck, bonsoir, Catwoman, je te salue. Dans le chat, il y a The Saiyajin qui nous dit on a souligné le bon travail de Rabiot au milieu de terrain. Il y a Martin qui nous dit Griezmann a été magique, quel joueur important pour l'équipe de France. Il y a Julien qui dit Giroud, Ch'tilulu qui dit Giroud, Clément qui dit tout le monde a fait son match. Clément qui parle de Rabiot aussi, homme du match. Julien qui dit Griezmann en deuxième mi-temps catastrophique. Dembélé très bon, nous dit Vince. Alors, Franck,
quel est l'homme du match pour toi? Si là tu donnes pas Gigi, je sais que ça emmerde certaines personnes. D'ailleurs, on va leur mettre un tacle. Hein. Les anti Giroud, vous dites quoi maintenant? Puisque vous jugez un joueur que sur les buts. Ouais, mais ça, on a des... ouais, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a tous retourné notre veste sur Giroud. Hein, on l'a dit. Hein. Oh, bah il y a encore des gens. T'inquiète pas. Il y en a qui l'aiment toujours pas. Oui, bien sûr. Ah, ouais. Des irréductibles. Bah, en tout cas, il y a un moment. Non, mais il y a un moment qu'il a. Attends, il y a un moment qu'il a la cote en France quand même. Ouais. Il a toujours eu la cote, mais pas complètement, on va pas se mentir. Avant que tu poursuives, Papa Furax, tu voulais dire? Non, je veux dire que cette histoire-là qu'on dit, oh, mais ça fait un bail, mais il y en a encore qui n'aiment pas Giroud, mais comme il y en a encore beaucoup qui n'aiment pas Benzema. Donc c'est sans fin ce truc, c'est sans fin, quoi. Okay. Arrêtons de parler de ça, parce que de toute façon, c'est sans fin. Il y aura toujours plein de gens qui kifferont Benzema ou qui le détesteront pour ce qu'il représente ou ce qu'il est ou son attitude, et tous ceux qui détesteront Giroud. Parce que c'est lui le responsable des 4 ou 5 ans où Benzema n'était pas chez les Bleus. Ok. Je reviens. D'un côté comme de l'autre, de gros cons. Je te coupe parce que Franck n'a pas fini, mais je vais revenir vers toi parce que toi, t'es relou. On t'a demandé, t'as pas dit de non. Bon, on va revenir, on va pas te lâcher. Franck, quel est l'homme du match? Donc toi, c'est Giroud. Pour moi, c'est Giroud. Quand tu peux pas... voilà, les gens qui voulaient qu'il marque, bah, il a marqué. Et moi, je suis obligé de revenir là-dessus parce que... C'est pour ça que quand tu vois que les gens ne connaissent rien au foot, il faut savoir que la dernière compétition, il n'a pas marqué. Pourquoi? C'était aussi le rôle qu'on lui demandait. Il était là pour servir de rampe de lancement à Mbappé. Il était là aussi pour se sacrifier pour le collectif. Ce que moi j'aime chez ce mec-là, c'est qu'il ne pense pas qu'à sa gueule. Regarde aujourd'hui, il a mis un doublé. Je te rappelle l'action où tu râlais parce qu'il est venu défendre. Parce que ce mec-là, il est profondément pour l'équipe. Il ne pense pas qu'à sa gueule. Il pourrait jouer la carotte et rester devant et vouloir marquer des buts. Non, il pense à l'équipe. Il revient défendre. Moi, j'aime ce genre de joueur. Si tu me parles, si on parle que niveau technique, c'est pas mon style de joueur, mais je suis obligé de respecter ce mec. Et moi, j'aime les gens de valeur comme ça, les gens qui se battent pour le collectif. Et en plus, la personnalité du mec, pour ceux qui ont pu regarder les interviews, je ne comprends même pas comment on peut détester ce gars-là. Il a en plus un amour de mec. Donc voilà, moi, je suis très content pour lui ce soir. Et ça m'a fait plaisir. Il est plus qu'à un but de dépenser. On t'arrête là parce que tu vas finir par Giroud, fais-moi des gosses. Ah bah oui, je vous fais pas des gosses, oui. Bon, alors on va revenir vers l'homme qui pense pouvoir être un Jedi et un Sith à la fois, l'homme qui aime toutes les équipes de la planète, l'homme qui aime le foot de manière générale et qui ne veut pas se décider, l'homme qui fait toujours son relou et qui nous a pas donné le nom de l'homme du match. Alors on revient vers toi, Papa Furax, il faut que tu sortes un nom, poteau. Bon, allez, juste pour le geste, pour le truc, ce qu'il représente et ce qu'il est devenu, malgré toutes les adversités, oui, Giroud. Parce que illégal pour l'instant, un mec comme Thierry Henry, qui est une légende aussi. Ouais, d'accord ? Donc maintenant, encore un petit but, et tous ceux qui détesteront ce mec seront obligés de détester le plus grand buteur de l'équipe de France. Il y en a qui le détestent pour ça, hein. Parce que le mec, il est ça, pas ça, loin de ça, dire, s'appelle oui, de la, ça s'appelle de la jalousie. Alors, je reviens vers toi, Drixinho. Bien évidemment, tu es d'accord avec moi que Giroud va dépasser le record de Thierry Henry dont vient de parler Papa Furax. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Il va le sauter, là. Et ça va se faire pendant la Coupe du Monde. Quand, je sais pas, mais il en remarquera d'autres. Oui. Ok, alors... Du coup, je vous lance sur le commentaire de LSU qui nous dit « Théo dépasse le frangin, ça fait déjà un moment qu'il est meilleur ». Bon, ils font pas exactement le même job, hein, les deux, mais bon, à peu de choses près. Ouais, mais comme Deschamps les met au même poste, on est obligé de constater que Théo, on voit sa saison avec le Milan, hein, c'est monstrueux, il est au-dessus. Moi, j'ai pas compris pourquoi Deschamps a changé les trucs. Théo, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, il a bouffé tout le monde à gauche, hein, que ce soit Digne, que ce soit, comment il s'appelle, Ferland Mendy, il les a tous mis dans sa poche. J'ai pas compris pourquoi il a voulu changer pour mettre son frère. Son frère, il est capable de tenir ce côté gauche-là, mais c'est pas son poste. Son frère, c'est peut-être le meilleur latéral droit. Ouais. Voilà. C'est le meilleur latéral gauche d'Europe, hein, avec celui qu'on a chez nous, Nuno Mendes. Hein. Je pense que ce titre-là, ils peuvent se partager tous les deux en ce moment en Europe. Ouais, après, moi, j'ai plus vu Nuno Mendes faire du sale que Théo, même si là, il a fait... Théo Hernandez... Ouais, mais nous, Azep, c'est très bien qu'avec Franck, on regarde les matchs de Bundesliga, de Première Ligue, de Serie A. La Serie A. Et depuis la saison dernière, moi je kiffe absolument ce qu'est Théo Hernandez. C'est un monstre, ce mec. Et il l'a prouvé. Technique, rapide, les centres... Il est précis, par contre, sur le côté impact physique, là, il va rentrer dedans. Mais par contre, il s'est un peu fait oublier en seconde période, vous trouvez pas?
Ouais, après, comme toute l'équipe, ça a un peu baissé le pied à un moment donné. Bah après, on était en gestion, ce qui est normal, voilà. 3-1, voilà. Ce qui est normal. Hein. N'oublie pas qu'une Coupe du Monde, c'est très lent. Donc, et en plus, tu rentres dans une autre phase en huitième. L'aspect athlétique est important, donc c'est bien, au contraire, qu'on ait géré. Mais si on remarque bien, Lucas Hernandez était un phénomène il y a 4 ans, et maintenant, aujourd'hui, c'est son frère qui est l'équivalent de Lucas Hernandez, mais il y a 4 ans. Ils ont chacun eu leur heure de gloire, et là, justement, pour revenir sur Lucas, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la blessure? Je ne comprends pas, parce que là, en ce moment, on a la chambre. Moi, à mon avis, c'est mort. Moi, sa saison, elle est morte. Parce que j'espère que ce n'est pas le genou où il a été opéré, les gars. Parce que vous rappelez qu'il a déjà eu les croisés quand même, sur ce genou-là. Mais il se fait mal tout seul, je ne comprends pas. Bah, ça arrive, sur un mauvais appui. Un mauvais appui. C'est que le genou, c'est comme ça, ça arrive à Z, c'est pas dû au hasard. Déjà, il revenait de blessure, il a déjà eu ce genou-là pété, il a eu du mal à revenir plus d'un an. J'espère pour lui que c'est pas encore le même genou. Malheureusement pour lui, mais bon, ça n'a rien à voir, mais heureusement pour le Paris Saint-Germain, ça fait quand même encore un joueur en moins pour le Bayern, du coup. Parce que je pense que sa saison, elle est finie, là. Là, c'est le genou. Moi, je sais pas. Ah, si, c'est le genou, oui. Après, j'avais l'impression que c'était la cuisse. Moi, je crois que c'est à l'Euro qu'on avait Lucas blessé. C'était qui l'autre Contre la Suisse, ouais. C'était Digne. Tout le côté gauche avait été. Ouais, tout le côté gauche était. Et les deux sont bons. Les deux étaient finis. Ah, là, c'est l'autre genou, Nana. Heureusement. C'est pas le genou où il était pété. Si, c'est l'autre genou. Oh là là. Ah, ça craint, le pauvre. Oh putain, il a vraiment pas de cul, le mec. Hein. Bah du coup, si c'est l'autre genou, peut-être qu'il y a moyen que ça se rétablisse rapidement. On sait pas. Ah non, si c'est le genou. Ça dépend, je sais pas. Peut-être que c'est le ménisque, la rotule, je sais pas. Allez, le problème de ces blessures-là, c'est quand tu te blesses, mais c'est valable pour tout le monde, quoi. Quand c'est tu te blesses gravement d'un côté, en fait, ton corps réagit, tu forces plus sur l'autre pendant plusieurs semaines. C'est ce qui est arrivé à Benzema, on dirait. C'est ce qui a pété de l'autre côté, parce qu'il a trop forcé de l'autre côté, quoi. C'est ce qui est arrivé à Benzema, on dirait. C'est ça. Et ça a un nom, ils appellent ça le ça a un nom. C'est la compensation. Compensation. Le toi-même et ton corps te dit appuie plus du côté où tu as plus de force. Et sauf qu'à un moment, tu forces toujours sur le même et tu le rends plus fragile. Ouais. Maintenant, tout à l'heure, Azet, tu parlais de Shkoumoun. Moi, je suis un peu moins d'accord avec toi. Malheureusement, des blessures, on va en revoir d'autres. Et il n'y aura pas que nos nations. Voilà. Il y en aura d'autres parce que cette Coupe du Monde placée où elle est placée là, des blessures, il y en aura. Et il y en aura même encore après la Coupe du Monde. Ne crois pas que c'est que le destin s'acharne uniquement sur l'équipe. Mais nous, on les collectionne. Je comprends ta réaction, mais si tu veux, pour moi, il y a une forme de logique dans ce qui se passe. Cette compétition, elle n'est pas bien placée, on l'a déjà dit. C'est ça. Il y en aura d'autres, des blessures, les gars. Mais en vérité, au mois de juin, c'est juste collé au championnat. C'est pareil, en fait. Je comprends pas. Ils ont 6 à 8 semaines pour se préparer. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. 3 semaines après la finale. Donc, ça laisse, pour ceux qui sont en fin de championnat, quasiment un mois avant le début de la Coupe du Monde. Là, c'est à peine, même pas une semaine après le dernier match de championnat. Hop, t'es à la Coupe du Monde. Et l'enchaînement des matchs. Les gars, l'enchaînement des matchs, début de saison, championnat, Ligue des Champions, machin. On a joué tous les trois jours pendant trois mois. On n'a jamais vu ça. Parce que ça veut dire que les mecs, ils ont fait une surdose en termes de préparation en plus. Parce que non seulement tu dois préparer la saison, et ils avaient aussi pensé c'est à la Coupe du Monde. Donc ils avaient fait trop. Donc tu as tiré sur l'organisme et voilà, ça pète. Hein. Je te l'ai dit l'autre fois, je ne sais pas si c'est toi chez Franck ou chez toi Z. Le problème de des blessures et la différence entre une Coupe du Monde normale, c'est qu'au mois de juin, les joueurs sont cramés physiquement. Donc, ils doivent se repréparer parce qu'ils sont cramés, épuisés de la saison. Mais il n'y a pas autant de blessures. Alors que là, on sait que les blessures arrivent quand le temps est froid, durant la saison de l'automne ou le commencement de l'hiver. Donc, cette Coupe du Monde arrive au moment où le plus de blessures sont censées arriver pour les joueurs. Donc, c'est la différence entre une Coupe du Monde normale où tu arrives, mais tu es fatigué et donc on doit te repréparer physiquement pour cette compétition. Et là, en fait, où tu es cramé physiquement, mais tu te blesses. Donc, il n'y a pas de comparaison. Là, tu te blesses parce que c'est le mauvais moment. C'est ce que je disais parce que tu en as fait des tonnes. Parce que ta préparation, tu as dû prendre en compte la saison et la Coupe du Monde. Mais ils n'ont rien prévu, ils n'en ont rien à foutre. Mais ça serait bien que des événements comme ça arrivent plus régulièrement, où toutes les stars, parce qu'on a souvenir quand même que la plupart de toutes les Coupes du Monde, toutes les stars sont toujours là. À chaque fois qu'une Coupe du Monde arrivait, on attendait de voir les grandes stars, que ce soit le Brésil, l'Argentine, les Pelé, les Maradona,
Platini, Zidane, ils étaient 9 fois sur 10 là. Là, maintenant, à ce rythme-là, t'es pas à la brique, mais s'il se blesse là, parce qu'il y a eu une petite contrariété, il s'est pas entraîné normalement. Attention, les conneries. Il y a Mowgli. PSG se retrouve avec Messi ou Neymar blessé à cause de la Coupe du Monde aussi. Il y a Mowgli qui donne un détail qui est quand même important. Il dit oui, mais là-bas, il fait chaud, il fait pas froid. Justement, changement de température, les gars. Tu prends 20 degrés en quelques heures. C'est énorme. Ouais, mais le changement de température, il peut avoir lieu aussi en juin. Enfin, je veux dire, ça, c'est le monde. Mais c'est pas la même chose parce que t'es déjà, je veux dire, quand t'arrives au mois de juin, déjà à avril, mai, juin en Europe, il fait déjà bon. Je veux dire, ton corps est acclimaté. Il a 2-3 mois pour s'acclimater. Là, ton corps, il doit s'acclimater en même pas 24 heures. Tu prends l'avion direct, t'arrives dans un pays où c'est 20 degrés de plus. Juste rendez-vous le truc, juste pour que certains se rendent compte de la normalité du truc. Je rappelle qu'il y a encore une semaine et quelques, on jouait des matchs de Ligue 1. C'est bizarre le truc. Donc, voilà. Rien que ça, vous voyez. Il y a 15 jours, des matchs de Ligue des Champions. Il y a à peine 15 jours. Voilà. C'est ça. C'est pas alors, les mecs, ils arrivent dans l'état de forme où ils sont. Il n'y a pas de préparation. Alors, dites-moi, on a qui à gauche pour remplacer Théo Hernandez en cas de problème? T'as plus rien. T'as plus que Théo. Si Théo, il faut pas que Théo il lui arrive un truc. Hein. C'est ça. Voilà. T'as plus rien. Heureusement que la compétition. La compétition a duré qu'un mois, mais bon, c'est quand même flippant. Bon, ils vont finir à 16 ou 17 à ce rythme-là. Hein. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait qu'il prenne un 26e joueur. Il a pas voulu. Ouais. On est dans la merde maintenant. Alors Drixinho, avec Klose qui était libre. Ouais. Alors Drixinho, tu peux enchaîner sur Rabiot. Ouais, bah écoute, Rabiot, très bon match de Rabiot. Enfin Rabiot, je peux l'appeler box to box, hein, parce que t'as vu, je disais que c'était qu'un box. Ouais. Et je t'avais dit, hein, moi pour moi cette Coupe du Monde, j'attendais vraiment beaucoup de lui pour qu'il sorte enfin tout le potentiel qu'on sait qu'il a. Parce qu'on sait quand même que c'est quand même un joueur à fort potentiel. Maintenant, c'est quand même le meilleur milieu de terrain de la Juve cette saison, même si ce n'est pas une grande Juve. Mais quand même, hein, on a vu ses derniers matchs, même contre nous d'ailleurs, il a été bon. Donc enfin, Rabiot confirme, il a peut-être lancé, j'espère, sa carrière en équipe de France parce qu'il marque un but. Donc en plus, je vous avais dit de parier, les gars, la cote elle était à 6-5. Et en plus, il fait une passe décisive. Donc Rabiot, vraiment très bon match. J'ai été un peu plus déçu de Tchouaméni. Qui est paradoxal parce que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. On parlera de lui après. Alors, Papa Furax, il y a Stéphane qui nous dit énorme Rabiot ce soir et Dams Paris qui nous dit même. Rabiot donne de l'espoir. Papa Furax pour Rabiot qui, on l'avait dit, qui avait l'air d'être en forme en club et tout. Et là, il a confirmé que c'était bien le cas. Bah ouais. Bah ça prouve qu'il a peut-être passé un cap aussi là-dedans. Donc, il a refusé d'être remplaçant ou je ne sais plus quoi lors de la dernière. Réserviste, voilà. Vous voyez le cap, lui, en 4 ans, il devient limite. Avec toutes les blessures Pogba-Kanté, on se dit, il faut se rabattre sur Rabiot. Et pourtant, malgré tout ça, vu les derniers matchs qu'il a fait depuis quelques semaines avec la Juve, qui a permis à la Juve de revenir sur le podium du championnat d'Italie, alors qu'à un moment, ils étaient 8 ou 9e du championnat, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe avec lui et il confirme là. Donc, c'est pas que c'est une surprise, mais c'est bien. C'est bien pour lui. Et puis, on sait très bien que s'il n'est pas trop con dans sa tête et que sa mère lui casse pas trop les couilles en lui donnant des conseils bons ou mauvais, il a du talent, le joueur. On le savait quand il avait même 20 ans à Paris, il avait du talent, sauf que c'était une tête de con avec sa mère, etc. Mais il a du talent, le mec. Il est grand, il est technique. Ce mec va nous faire ce que Pogba a fait il y a 4 ans, c'est lui qui va le faire là. Alors, sa mère, elle escalait, mais elle a bon dos parce que lui aussi, il en fait des bourdes. Oh, oui, c'est, pas non, que... mais c'est lui. C'est ce que non, mais c'est dit. Ce que je dis. S'il n'était pas con, lui et sa mère, peut-être qu'il aurait fait une autre carrière. Parce qu'au niveau talent pur, il est technique, il est bon de la tête, il marque des buts, il a le même gabarit plus ou moins que Pogba. Et voilà, moi, j'ai apprécié son match. Elidju qui nous dit Rabiot, un but, une passe D, belle activité dans le cœur du jeu, rien à dire, Franck. Bah écoute, là, je me posais des questions dessus, parce que comme on dit, on a toujours su qu'il avait du talent. Moi, ce qui m'énervait, c'était sa nonchalance. On se rappelle des équipes de France, à la mi-temps, il dit j'avais froid, machin, truc. C'est ça qui était plus agaçant qu'autre chose, mais le talent, c'est qu'il l'a. C'est même dommage s'il est gâché des années à,
à faire le boudeur un peu, si on reprend les termes de quelqu'un, à ne pas vouloir jouer à un certain poste alors qu'il a toutes les qualités pour, comme vous disiez, il est grand, il est puissant, il est athlétique et techniquement, c'est pas non plus dégueulasse, non, il a tout. Donc c'est ce Rabiot-là qu'on voulait voir. Maintenant, on espère qu'il est parti pour nous faire une Coupe du Monde de ouf. De toute façon, on sait comme le terrain, c'est ces deux, lui et Griezmann, si on parle de Griezmann plus tard, mais ces deux-là, c'est eux qui vont devoir nous apporter au terrain la créativité que, justement, Pogba qui n'est pas là, ne peut pas nous apporter. On va devoir compter sur lui, de toute façon. Donc il a été très bon ce soir. C'est pas si mal, finalement. Buteur, c'est très bien. C'est pas si mal. Finalement, on avait un doute. Est-ce que Griezmann va devoir être tout seul? Ben non. S'il y a Rabiot et Griezmann pour distribuer, là, c'est un point positif. D'ailleurs, on n'a pas parlé du match de Griezmann, Drixinho. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Griezmann? Eh ben, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, Griezmann, il a un rôle essentiel dans cette équipe-là. Et pour moi, il a vraiment fait le boulot. Il a été intéressant. Bon, bah, il n'a pas été buteur, malheureusement. Donc, on ne va pas retenir. Voilà. Mais pour moi, j'ai retrouvé un peu le Griezmann il y a 4 ans avec beaucoup d'activité. Il a créé du lien. Bon, en deuxième mi-temps, je pense qu'il a baissé de pied un peu physiquement. Qu'il aurait peut-être dû le sortir un peu avant. Parce que, arrivé à la 60e, 70e, on sentait qu'il commençait à pêcher physiquement. Lui aussi, hein, remplaçant. Voilà. Et voilà. Donc, vu qu'Nkunku, malheureusement, n'est pas là et il n'a pas voulu prendre une doublure de Griezmann, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est à être le long terme, comment il va réussir à gérer physiquement. Parce qu'il a quand même. On ne se rend pas compte, mais il a une sacrée activité et il court énormément. Ah, alors, je sais que maintenant, on ne regarde que le football avec les mecs quand ils ont le ballon, mais croyez-moi, le football sans ballon, c'est hyper important. Les replis défensifs, tout ce travail-là, ça fait que tu peux gagner ce match-là aussi 4-1. Donc, pour moi, Griezmann, il est essentiel pour l'équipe de France. On va pas retenir que les mecs qui marquent, hein. Heureusement qu'il suffit pas de que son rôle va être encore plus important avec le fait que Benzema ne soit pas là, parce que Benzema avait cette qualité de d'ailleurs il se marchait dessus de toute façon. Griezmann, voilà, Benzema, je pense que c'est incompatible, ils peuvent pas jouer ensemble, parce que la problématique c'est que Benzema, si tu veux, c'est un mec, c'est un beau joueur, il est technique, il aime bien toucher les ballons, c'est pas comme Giroud qui va vraiment rester Benzema il a déjà dit qu'il aimait bien jouer avec Griezou en mode une touche de balle, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Oui, mais ça a rarement fonctionné les deux. On l'a vu notamment à l'Euro. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, si l'absence de Benzema, ça va servir à Griezmann, c'est certain. Et d'ailleurs, le match le prouve. On l'a vu aujourd'hui avec beaucoup plus d'activité. On a vu Giroud qui vient pas chercher des ballons, mais qui reste bien dans l'axe. Et on sait que ça marche mieux comme ça. C'est comme ça, des fois. C'est comme ça. T'as des joueurs où voilà, il y a une connexion qui font que c'est la seule chose positive de l'absence de Benzema, c'est que Griezmann, et ben du coup, ça va l'arranger. Ça le libère. Papa Furax sur Griezmann. Je trouve c'est bon. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis content qu'il ait fait un bon match et que tout le monde soit satisfait de sa prestation. Mais presque 80%, je dis ça comme ça, de ses ballons, c'était en une touche de balle. Ça fait pas un peu trop? Des fois, c'est peut-être bien aussi de pas toujours. C'était systématiquement une touche de balle. Non, moi je trouve que parfois il faisait les passes qu'il fallait. Il a loupé quelques passes, oui. Je parle pas de ses loupés, mais c'est vrai que je l'ai vu. Non, mais le côté. C'est un joueur qui, justement, pour moi, on dit qu'il joue trop à une touche de balle, mais je trouve que parfois il fait trop d'efforts défensifs qui devraient rester dans les 30 derniers mètres, vers les attaquants, quoi. C'est pas son taf de défendre, il est pas l'Atlético, là. Donc, ça, tu peux pas le changer, il aime ça. Voilà, il a ce côté qui, en fait, ce mec, il se fatigue à défendre parce qu'il est sur partout. Et donc, comme il faut le protéger, il faudrait quand même lui dire, Coco, tranquille, quoi, ne retourne pas limite dans ta surface pour défendre. Ne te fatigue pas trop non plus. Il y a normalement des défenseurs pour ça. Mais c'est vrai que quand il commence à faire une touche de balle avec des mecs comme Dembélé, ou Giroud ou Mbappé, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, c'est bien. C'est juste technique, quoi. C'est juste que parfois c'était peut-être inapproprié, c'est mon avis. Mais en tout cas, c'est super de faire ça. Ouais, mais c'est inapproprié, mais je pense qu'il sait adapter son jeu par rapport à l'adversaire. Ouais. S'il doit garder plus le ballon pour faire la passe de 30 mètres, etc., il le fera. Il s'est adapté à ce jeu-là. Il voyait que finalement, ils étaient très souvent dans les 30 ou 40 derniers mètres. Donc, si on peut faire des passes vite fait, lancer Dembélé ou lancer un tel. Ce que ne faisait pas ce putain de Pavard de lancer Dembélé,
Sinon, il y aurait eu peut-être plus d'action sur le côté droit. Mais sinon, non, Griezmann, quand on voit ce qu'il était il y a 6 mois, 1 an, il a retrouvé un sacré bon niveau. C'est ce qui se disait aussi, qu'il avait retrouvé du niveau. Il l'a confirmé comme les deux autres, Giroud et Rabiot. Alors Franck, il y a Fab, que je salue, qui nous dit Griezmann a distribué des pralines, a fait le pressing, a soutenu les attaquants et le milieu, respecté le travail ingrat de l'ombre. Franck. C'est ça. Ah, c'est exactement, il a fait ce que moi et Idrissi, on a insisté là-dessus, on l'attendait là-dessus, c'est ce qu'il a fait, et c'est pour ça que je disais que ça va être un joueur clé, ça se confirme. C'est lui qui va devoir apporter ces liens-là en compagnie de Rabiot, mais lui en premier. Et non, moi j'ai beaucoup aimé son match, et je confirme qu'il y a 6 mois, moi je ne pouvais plus le voir. Il y a 6 mois, il était, il avait son problème avec le Barça, mais en équipe de France, tu sentais que... il n'y était pas non plus, alors qu'avant, à l'Atletico, quand même, quand il avait des difficultés venant d'équipe de France, c'était toujours beaucoup mieux. Et là, tu sentais qu'il traînait sa peine un peu, etc. Donc là, il revient à un bon niveau, c'est très bien pour la suite. Après, il lui manque quoi? Ouais, il lui manquerait peut-être des buts. Mais bon, c'est quelqu'un qui... c'est aussi ce genre de joueur que moi, j'aime bien, les joueurs de l'ombre. Tiens, là, sur Giroud, il se ressemble un peu là-dessus. C'est des mecs... voilà, je suis d'accord avec Papa Florence, des fois, ils se dispersent pas à défendre, mais ils sont comme ça. C'est dans leur nature. Griezmann, il adore ça. Depuis qu'il est Atlético, quand tu l'entends parler, il aime souffrir comme ça. Limite, il aime quand son équipe, elle souffre et il doit se dépenser. Ça. C'est comme Cavani, rappelez-vous, Cavani. Ouais, c'est comme Cavani, pareil, gens, ouais, besoin, c'est ça, j'ai pensé. Voilà, il est comme ça, on le changera jamais. Alors, on passe au cas Dembélé, Drixinho. Attends, il y a un autre détail aussi, Griezmann, qui est important. On n'a pas de tireur de coup de franc et de coup de pied arrêté. Et c'est le seul, ouais, pour moi, parce que Kylian, faut qu'il arrête. Ça c'est chiant, parce que c'est pas une catastrophe, Mbappé. Mais c'est pas une cata non plus. Ah si, c'est cata. Arrête. Mais c'est pas sa place. Les corners qu'il a tirés ne servent à rien, quoi. Les corners qu'il a tirés. Des axes de progression, et celui-là, ça fait partie de ces axes de progression, et le seul tireur de coup franc, parce que sortez-moi un tireur de coup franc d'équipe de France, pour moi c'est Griezmann. Qui d'autre? Dembélé, je suis pas sûr. Il nous reste qui? Dembélé, c'est comme la dernière passe, c'est le calendrier, au coup ça va aller au bon endroit. C'est un peu ça. Ok, bah justement, enchaîne sur Dembélé, Drixinho. Bah Dembélé, moi j'ai trouvé très bon aujourd'hui, très actif, mais bon, il est un peu à l'image de ce qu'il fait depuis un an avec Barcelone, hein, les gars. Faut oublier que c'est quand même le meilleur passeur de Barcelone. Bon, ok, c'est depuis la grande équipe du Barça, mais quand même, moi je l'ai vu jouer à Barcelone, c'est certainement l'un des meilleurs devant avec Lewandowski, donc il est dans une très grande forme, intéressant, à revoir. Le problème, c'est qu'il va être tout seul sur son côté droit, parce que Pavard, il va servir à rien. Si encore Pavard, si tu veux, bon, on parle de Dembélé, mais c'est important parce qu'il y a connexion, ils jouent tous les deux sur le même côté. Et Dembélé, le problème, c'est dommage qu'il n'y ait pas le pendant de Théo Hernandez à droite, parce que ça ferait un malheur. Et là, on a bien vu que l'équipe de France, il faut absolument qu'on fasse comme on a fait aujourd'hui, en passant sur les côtés avec Dembélé, avec Mbappé. On voit que ça fait mal, surtout qu'on a une pointe comme Giroud dans l'axe pour récupérer les ballons. Il a distribué aussi quelques belles croquettes sur ses centres, hein, parce qu'il est capable de jouer des deux pieds. Dembélé, il a une qualité énorme à ce niveau-là. Tu sais pas s'il joue du pied droit ou du pied gauche. Donc quand il est à ce niveau-là, c'est un dynamiteur, c'est hyper important. Et dès la première seconde, vous avez vu, il a pris le ballon, il a mis son coup de rein. Et en plus, il fait des efforts défensifs qu'il faisait pas avant. Donc Dembélé, franchement, s'il continue comme ça, il va pouvoir faire très mal peut-être pendant cette Coupe du Monde. Et Papa Furax, alors Dembélé s'est bien amusé avec ton chouchou Mbappé. Les deux, on voit qu'ils prennent du plaisir à se chercher, à se trouver. Et Dembélé toujours aussi rapide, il n'a pas pu briller en 2018. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'il nous a montré ce soir? Alors apparemment, avoir un enfant, comme il y a quelques mois, a rendu Dembélé un peu plus mature. Et du coup, il a laissé pousser la stache mou à la mexicaine. La stache mou à la mexicaine, ouais, c'est El Gringo du bled, ouais. Enfin bon... ce que je veux dire, c'est que ouais, si on lui donne le... franchement, je vais dire un truc, techniquement parlant, Dembélé est meilleur qu'Mbappé. Techniquement parlant, quand tu vois son pied droit, son pied gauche, les crochets, les feintes, les trucs, à chaque 9 fois sur 10, le défenseur se fait couillonner, quoi. C'est un peu excessif là ce que tu dis. Il est très bon, il est meilleur qu'Mbappé. C'est vrai. Il a pas la vitesse d'un Mbappé, il a pas la puissance d'un Mbappé. Et même mais pourtant, il est rapide, il est très rapide pourtant.
il a dans les petits périmètres de jeu de Mbappé. Ouais. Ils ont pas le même cerveau. Ils ont pas le même cul. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, elle voilà. Là, la grande différence. La différence. Mais sur le petit périmètre, comme dirait Franck, dans une cabine téléphonique, il peut te dribbler un éléphant. Donc voilà. Ah oui. Non, ce mec, il ce mec. Il même voilà. Lui-même, hein, des fois d'ailleurs. Ah oui, non, mais il fait un au Barça, il fait tellement. C'est ça, c'est il ça, finit ouais. Parfait, t'es même ses coéquipiers. Mais il s'auto-dribble, ouais. Il se fait un auto-pont. Alors... Mais non, franchement, ce joueur est... Franchement, voilà. Si dans sa tête, il est convaincu. Et moi, je n'avais pas parié qu'il serait titulaire dès le premier match. Donc, il a fait le premier match. Il a réussi son premier match. Donc là, tu te dis, dans la tête de Deschamps, tu ne peux pas le retirer comme ça. Il a participé à toutes les actions. C'était dangereux. Chercher avec Mbappé, c'était super. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à lui distribuer les ballons et pas avoir un abruti. Non, bon, un mec médiocre comme Pavard qui. On va parler après. Je le voyais, on va parler après de Pavard. On va parler après et peut-être même qu'on fera un duel. Alors, Franck, sur Dembélé rapidement. Bah sur Dembélé, ils ont quasiment tout dit. Hein. Ouais. Le gars, son seul défaut, comme on a dit, c'est qu'il n'a pas le QI foot. Et il est capable de dribbler n'importe qui, comme je dis, dans une cabine téléphonique. Mais son souci, c'est encore dans la dernière passe. Alors, on espère qu'au Barça, il va progresser là-dessus. Mais sinon, ce soir, il a été dans... Il a eu une occasion franche à un moment, malheureusement. C'était pas cadré, mais il a eu une occasion de mettre un but à un moment. Oh. Ouais, ouais. Non, mais moi, ce que j'ai surtout aimé, parce qu'offensivement, c'est qu'il est capable, c'est le côté défensif. Et je pense que même Deschamps l'attendait là-dessus. On sait que pour Deschamps, c'est très important. Et il l'a fait ce soir. Donc, c'est très encourageant pour la suite. Parce qu'en plus, il a un client derrière lui sur le banc. Parce que Coman, lui, il est complet, lui. Hein. Offensivement, défensivement, on connaît Coman. Donc, c'était un peu un match couperet pour lui ce soir. Et il a répondu présent. Je pense que Deschamps a dû lui faire plaisir le travail. J'aime beaucoup Coman. J'aimerais qu'on parle de lui. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse d'abord... On a fait l'homme du match, mais on peut faire le bolos du match. Rapidement, avant de faire un duel, on est d'accord que c'est entre Koundé et Pavard. Du coup... Quoi ? Entre Konaté et Pavard, plutôt. Konaté, oui, excusez-moi. Ouais, parce que j'ai dit Koundé, il est rentré 5 minutes. Non, excusez-moi. Konaté et Pavard. J'avais Koundé avec lui, là. Ouais, Konaté et Pavard. Qui donnerait le titre de bolos du match à Konaté et qui le donnerait à Pavard ? Pavard. Écoute un but. Pavard, Konaté, hein. Il rate des passes, mais. Ah ouais. Si vous êtes tous les droits pour Pavard, on va pas faire de duel. Alors Pavard, du coup. Désolé. Tu vas prêcher que des couvertures. Alors vas-y, Drixinho, on t'écoute pour pourquoi Pavard. Pavard, il est tout simplement fautif sur le premier but. Alors j'ai vu Fab qui me dit oui, mais tu sais, il joue pas en défense. Il joue toujours latéral droit au Bayern. Ils le font très peu jouer quand même en défense centrale. Son placement est catastrophique. En plus, il revient pas. Et un truc que je comprends pas chez Pavard, le mec, t'es un professionnel. Je veux dire, même quand t'es en poussin ou en pupille, on te dit toujours, regarde toujours dans ton dos. Le mec, il y a toujours des joueurs qui sont dans son dos. C'est-à-dire que le mec, il est même pas placé. Alors, Pavard avant, limite, ou ce qu'on pouvait lui accorder, c'est sa rigueur défensive. C'est-à-dire qu'il était au moins fort sur l'homme, il défendait. Là, il y a même plus ça. Donc le mec, ça commence à devenir compliqué. Et le problème de Pavard, c'est pareil, il paye un peu ses communications. Là, depuis 4 ans, il est hors sol. Bon, il veut plus aller au Bayern, il veut jouer ailleurs. Il a dit qu'il était meilleur qu'Hakimi. Donc ça veut dire que le mec, dans sa tête, il a complètement perdu l'humilité. Je veux dire, il est même plus conscient de son propre niveau. Parce que pour me dire que t'es meilleur qu'Hakimi, il y a un gros problème là. Là, j'espère que tu as compris. Pavardos, c'est fini. Lui, il doit absolument sortir du 11 de départ. Parce que là ça va, c'est l'Australie. Mais imagine demain, je sais pas, tu joues le Brésil avec Neymar ou Vinicius sur son côté. Mais on va exploser. On va exploser, les gars. Alors Koundé, malheureusement, c'est vrai que c'est pas non plus son poste de prédilection latéral. Mais au moins, Koundé, je sais qu'il... Déjà, ça va plus vite, ça mettra plus d'impact. Et je me dis au moins, sur l'aspect défensif, je serai un peu plus rassuré. Mais Pavard, il a fait toute sa carrière sur sa frappe de bâtard. Pour moi, s'il y a un mec qui est bien surcoté, c'est bien Pavard. Et il doit sortir de l'équipe. Mais sorti par les yeux, Koundé. Hein, je pense que s'il le garde, Deschamps, c'est parce que déjà, c'est par défaut. Parce qu'on n'a plus de grand latéral droit depuis... Je dis Koundé, c'est Konaté, j'arrête pas de les confondre. Depuis Sagnol, je dirais. On n'a pas voulu prendre
Klose, bah, je suis désolé, moi je suis sûr que Klose aujourd'hui, il n'aurait pas été plus ridicule que Pavard. Alors, et au moins sur l'aspect offensif, il aurait été intéressant avec Dembélé. Bon bah voilà, maintenant, tu sais, on a tous nos têtes, hein, Deschamps il a ses têtes, bon voilà, bah, c'est Pavard. Bah, je pense que s'il continue à rester bloqué sur Pavard, on aura des désillusions tôt ou tard. Voilà, ça je vous l'annonce. Alors, Papa Furax. Et ça rime. Ouais, Papa Furax. Ah bah là, il n'y a même pas besoin de faire de duel, parce qu'on sera les trois caballeros, alors donc à ce rythme-là, moi, ce que c'est sur le plan défensif, comme il dit Drixinho, ouais, on risque d'être en danger, mais même, comme il disait, c'est sur le plan offensif, tu ne fais pas les bons choix, tu n'accélères pas le jeu, tu le ralentis, parce qu'à chaque fois, au lieu de faire une fois sur deux, il aurait dû lancer Dembélé, qui attend le ballon, qui fait des signes et tout. Tu lui passes pas, t'es là, tu repasses sur Konaté, tu repasses sur... Eh les mecs, oh, regarde ce que fait Théo Hernandez, c'est pour ça qu'il y avait du danger, et toi, tu freines le jeu de ton côté. Il m'a jamais convaincu, ce joueur, mais là, c'est flagrant. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Rien, juste de l'inquiétude. Ok, il y a Catwoman qui nous dit son but contre l'Argentine lui a plus desservi qu'autre chose. Ah, je pense pas. Je le dis souvent, si. Le mec, il va faire sa carrière. Alors, ça lui a servi. Alors, on t'écoute, Franck, justement, sur lui. Ah oui, non, mais moi, Pavard, j'ai toujours eu du mal quand les gens disent ça. Oui, il joue au Bayern, mais quand tu regardes ses matchs, même les matchs au Bayern, heureusement que c'est une équipe offensive, donc les défauts de Pavard, ça se voit pas. Mais quand tu joues contre une équipe comme l'équipe de France, où on a besoin plus de groupe que ça défend en groupe, ses défauts, ça se voit tout de suite. Mais l'erreur qu'il fait, c'est pas possible. Moi, Pavard, la seule fois. Soit tu prends le mec, soit tu joues le hors-jeu. Il faut aucun des deux. C'est pas possible. Et quand tu l'entends dire qu'il est meilleur qu'Hakimi, mais redescends, mec. Et je sais que tu joues depuis quelques années. Ouais, mais attends, quand est-ce qu'il a dit ça? À quelle occasion il a dit ça? C'est un truc de ouf, ça. Mais je sais il avait dit précisément, c'est pas je suis meilleur qu'Hakimi, il a dit je suis plus complet qu'Hakimi. Mais à quelle occasion depuis. Pourquoi il a dit ça? Parce que là, c'est même pas question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est juste que c'est malvenu de dire ça. Bah, c'est pour dire, en fait, psychologiquement, ça veut dire un peu où il est dans sa tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout conscient de sa valeur réelle. S'il avait au moins l'humilité de connaître son niveau, peut-être que justement, il serait plus travailleur, il serait plus sur l'aspect défensif. Il s'est mis hors sol tout seul. Mais Hakimi, défensivement, il y a des fois, cette année, c'était... Oui, mais Hakimi, on connaît. Hakimi, oui, on connaît. Le point, c'est que Pavard, déjà, son poste de Mais même devant, il ne fait pas ce qu'il fait Hakimi, donc bon... Hakimi, défensivement, on connaissait ses défauts. Mais Pavard, déjà, le mec, sa force, c'est censé être défensif. Défensivement, il n'apporte rien. Quand offensivement, il est sans moyen, on accepte. Mais même défensivement, ça va pas, c'est ça le problème. Et tu te permets de faire des déclarations, non. Le mec, comme il joue au Bayern, qu'il a gagné des titres, il s'est pris pour un Allemand. Tu t'appelles pas Kimmich, hein. Quand Kimmich dit quelque chose, il assume. Donc il faut qu'il redescende, il comprend qu'il a un niveau assez moyen. Et d'ailleurs, le Bayern, ils sont pas dupes, hein. Ils ont pris Mazraoui, eux-mêmes, ils commencent à comprendre la fraude que c'est. Donc il faut arrêter. Autant des fois, il est capable de dépanner, bon, latéral, il faut arrêter. Surtout à l'équipe de France, j'espère que Deschamps il a compris là. Parce que s'il continue à insister, comme a dit Drixinho, tôt ou tard, ça va nous causer des problèmes. Moi, Pavard, la seule fois où j'ai envie de le voir titulaire, c'est au mois de février face à Mbappé. Là, ils peuvent le titulariser. Ah, okay, on leur supplie, même le Bayern. Justement, on va enchaîner sur Mbappé parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Catwoman qui veut gâcher la soirée. Plus tard, on parlera de Gwendoline, mieux ce sera. Bon, hein. Là, on a passé une bonne soirée. Là, on est bien. On n'a même pas besoin de parler de lui. On va pas parler de lui quand il n'y a pas lieu d'être. Là, on passe une bonne soirée, tout le monde est content. Voilà. Elle vient nous gâcher la soirée. Bon, alors, Drixinho sur Mbappé tard. Il y a The Saiyajin qui nous dit officiellement c'est Mbappé l'homme du match. Bon, après, ça m'étonne pas. C'est Kylian Mbappé, superstar du mondial. Donc, on lui donne le titre. Voilà, c'est plus pour ça. Il faut vendre, hein, c'est la Coupe du Monde. Mais c'est mérité. Hein. T'as vu comment il joue et tout. J'aurais du mal à l'expliquer. Attends, laisse-moi fêtir. Tu me demandes. Maintenant, Mbappé, comment je l'ai trouvé? Bah, j'ai trouvé tout simplement bon. Mais le problème, c'est qu'Mbappé, il est tellement stratosphérique. C'est-à-dire que c'est le mec, il met tellement de doublés, de triplés, que maintenant, on banalise même quand il fait un bon match en mettant un but. De la tête, jamais mis de la tête, et c'est un axe de progression. Ben, c'est la rançon de la passe D. Hein, c'est ça, hein. Et une passe D. Voilà,
Voilà, je suis très content. Et une passe D. Et puis, il aurait pu en mettre une ou une ou deux, hein, parce qu'il en rate de peu. Attends, et la passe D de ouf à Dembélé, que Dembélé il loupe, c'était une passe D de ouf aussi, voilà. Ça. Donc, ça veut dire que Mbappé, moi je vous l'ai dit, ça va être sa Coupe du Monde, ça va être lui la superstar. Et je tiens à le dire, parce que là, on n'a pas vu encore le Mbappé. On a vu un bon Mbappé, mais il va y avoir des Mbappé stratosphériques. Donc, je suis persuadé qu'il nous fera des matchs où il en mettra deux ou trois. Hein. Ça, j'en suis persuadé. J'ai parié là-dessus qu'il mettra des triplés, et je suis persuadé qu'il le fera. Donc, là, on a vu un bon Mbappé. Mais on n'a pas vu le très bon Mbappé qu'on connaît. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il a un tel niveau que c'est difficile. Lui, quand on le juge, c'est un peu comme Messi ou Neymar. Si tu veux, on met la barre très très haute. Mais non, sinon, il fait il fait un bon match. Mais on sait qu'il peut encore hausser son niveau. Et ça, c'est super intéressant. Justement, ça me rappelle ce qu'avait dit Franck durant mon live. Mais je laisserai le soin à Franck de le dire après. Alors, Papa Furax, c'est le moment de parler de ton chouchou. Ouais. Attendez, juste, il y a de Saladin, apparemment, c'est officiel. Ouais, je regardais l'annonce. Ouais, pour Lucas. Dit, donc les ligaments croisés. Les ligaments croisés pour Lucas. C'est terminé. C'est fini. Saison terminée pour lui. Pauvre. Et une Shkoumoun de plus. Non, mais là, c'est. Ouais, non, mais. Ouais, là, bon, là sur... on va interprendre les 10 ans, mais bon, c'est énorme pour le Bayern. Alors, donc, c'est bien on reprend, Papa Furax. Vas-y, sur le cas Mbappé. Oh non, ça va. Non, mais évidemment. Benzema n'est plus là, j'ai dit, donc tout va se focaliser sur lui, etc. C'est lui. Il veut les pouvoirs, il est bien là. Il y a quatre ans, c'était la star en devenir. C'était, oh, il y a un petit bijou, il y a un petit ci. Aujourd'hui, il arrive avec un statut de l'équivalent de Messi, l'équivalent de Neymar, l'équivalent de CR7. Il est au même niveau de popularité, voilà. Sauf que lui, il est encore très jeune et lui, il va courir. Mais à chaque accélération, vous avez vu, 9 fois sur 10, comment il laisse sur place ses adversaires, et qui que ce soit comme adversaire. Donc, je veux dire, bon... Non, mais bon, voilà, il aura des matchs où... Enfin, même là, quand il a failli marquer... Enfin, sur le centre de Griezmann, vous savez, quand il remet le ballon sur le pied gauche. Ah là, oui, pareil, ouais, la reprise, là, à bout portant. Là. Je voyais dedans, j'étais déjà debout sur ma table. C'est vrai que l'addition, elle aurait pu être beaucoup plus lourde. Hein. Ouais. Donc, mais il y aurait pu avoir 5-6-1 dans ce match réellement. Quoi. Donc, si t'as pas Pavard qui lance un peu plus Dembélé, va savoir. C'est un peu la même action que Dembélé, il loupe hein, sur la passe de Mbappé. C'est ça. Donc, mais bon, des ratés, il y en aura. Je veux dire, après, les buts qu'il faut mettre, il faut les mettre. Et là, ils en ont mis 4. Même pour le goal average, c'est parfait. Donc, c'est bien. Il y a eu 24 tirs, les gars, quand même. C'est énorme. Donc, si on fait le ratio, au bout du compte, on n'a pas été aussi efficace que ça. Ouais, 24 tirs, 4 buts. Avant de passer à toi... Avant de passer à toi, Franck, il y a Fab qui nous dit Tarzan est forfait pour le reste de la phase des poules. Il s'est blessé avec son fer à lisser. Fab, il aime bien. Fab, faut sûr qu'il nous la sorte. Et alors, vas-y, Franck, sur le cas Mbappé. D'ailleurs, tu parlais du fait que c'est peut-être le moment pour lui de passer à un stade au-dessus. Ouais, mais notamment sur le jeu de tête, parce que bon, il fait quand même 1m80. C'est bizarre que le gars de la tête, il mette pas tant de buts que ça. Moi, ça fait partie des axes de progression qui doit. Elle est pas facile, hein, comment il la croise, il la met bien au bon endroit. Voilà. Ouais. Non, mais c'est, en plus, c'est pas une tête facile. Hein. Et, d'ailleurs, je vous avoue que sur le premier truc, tellement il l'a fait bien, j'ai cru que c'était Giroud. Ouais. C'est quand je regarde, ah ouais, Mbappé, tête décroisée comme ça, ouais, fort. Ouais. Donc, ouais, il faut qu'il travaille un peu plus ça. Ça peut être une arme de plus à son. Comment on dit une arme de plus pour lui. Donc, non, c'est bien. Après, le seul défaut, c'est de vouloir tout tirer. Ça, il m'agace. Les corners, les trucs arrêtent. Ouais, je sais pas d'où il nous sort c'est ça. C'est déjà très très bon sur le. Pour les pénaux, pour les pénaux, à la limite. Mais maintenant, il nous met au. Même met les aussi. Pénaux, laisse. Non, mais. Moi, j'aime pas quand il. Pas quand il prend son boulard qu'il veut trop tirer. Il y a un spécialiste. Non, mais à la, même s'il faut qu'il laisse les pénaux, mais à la limite. Mais maintenant, tu te mets dans les corners et les coups francs. Ah oui, non, moi, ça m'agace, ça. Et Deschamps, malheureusement, il a pris une telle ampleur aujourd'hui à l'équipe de France que Deschamps, il peut pas le freiner par rapport à ça, quoi. Et c'est ça qui me saoule. Et il faut pas que ça loue. J'espère qu'il a pris des leçons par rapport à l'Euro. S'il te plaît, Kiki ne recommence pas. Et tu sais que les gens t'attendent au tournant. Donc, commence par faire l'imbécile. Alors, il y a Daniel San qui nous dit que dans l'équipe 21, ils ont dit que c'était Rabiot l'homme du match. Après, chacun son truc. Moi, je. Oui, voilà. Ils ont été. Tous ces noms qu'on a cités, ils ont été bons. Donc, c'est pas la preuve qu'ils ont tous été bons.
Si, ouais. Il y a même des joueurs du match différents. En tout cas, moi, ce sera Giroud parce que c'est symbolique, parce qu'il égale un record, ouais. Et puis voilà. Et puis, il revient de loin par rapport à l'autre Coupe du Monde où les gens, parce qu'il n'a pas marqué, on a jugé qu'il n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde. Donc, moi, le fait de penser qu'à un moment, là, il y a quelques semaines, Deschamps songeait à ne pas le prendre parce que Benzema était là, quoi. Ah, c'est ça. N'oubliez pas ça. Ce mec devait peut-être même pas la jouer, cette Coupe du Monde. Pour des raisons bidons. Et c'est peut-être celui qui doit faire limite. C'est exceptionnel. C'est pour ça que je suis obligé de le respecter. J'ai dit, si on parle que de qualité de jeu, de style de joueur, je préfère Benzema. Mais dans la mentalité, faut être réel. Je ne sais pas comment il fait. Tout ce qui s'est pris dans la gueule. Tu as l'impression que toute sa carrière, c'est dans l'adversité, en fait. C'est des mecs, c'est surhumain. Moi, je ne pourrais pas. Hein. Quand les gens te critiquent, tu es là, tu donnes tout pour l'équipe. Parce que ce mec-là, il aime. Il y en a peut-être, vous pouvez douter que ouais, l'équipe de France, c'est juste un complément pour eux. Mais Giroud, il aime vraiment l'équipe de France. C'est peut-être qu'il fait sa force aussi. Hein. Non, mais je pense qu'il allait prendre les deux, par contre, Papa Furax. Hein. Il allait prendre les deux, hein, de toute façon. Oui, il aurait pris les deux. Giroud, c'était en bis. C'était pour changer le jeu devant. Ça alimente le truc de merde. Deschamps allait prendre les deux. Mais non, mais il allait prendre les deux. Vous dites des bêtises, parce qu'ils étaient tous les deux dans l'avion. Ils étaient tous les deux dans l'avion, donc arrêtez vos conneries. Tu n'as pas lu, tu ne vois pas tout. Ça alimente les conneries, bon, c'est pas grave, ok, vous avez raison. Bon. Donc Giroud, il est content, Benzema il est pas là, donc si Benzema était là, Giroud n'aurait pas joué, il n'aurait pas marqué, et ça alimente pas l'embrouille. Mais qui c'est qui alimente? C'est Deschamps justement qui alimentait ça. Rappelle-toi les dernières sélections, comme par hasard. Mais il prend le ballon d'or, c'est normal. Non, c'est pas normal, tu peux appeler les deux. Pourquoi il a appelé les deux. Non, il t'expliquait que ouais, Giroud, il a un statut, tu comprends. Mais il a appelé les deux, ou je rêve? C'est quoi le délire? Il a appelé les deux. Je comprends pas ce que vous racontez. Il n'y a pas de parce que, il a appelé les deux. Le Ven, il vient seulement à la fin. Bah, c'est facile. Toi, tu viens à la fin quand tu n'as pas suivi ce qui s'est passé avant. On t'explique ce qui s'est passé avant. Mais il a appelé les deux. Deschamps, c'est un opportuniste. C'est comme il a fait avec Benzema. Quand il a senti que son équipe, elle était un peu bancale, il s'est dit, je veux prendre Benzema. C'est ça, moi, qui m'énerve. Moi, je suis pas d'accord. Il appelle les deux et on vient encore chercher la merde. Non, mais bon, ok. C'est mon avis, t'as ton avis. Ok, ok. Oui, non, mais t'es dans la niaiserie en permanence. Mais appelez les deux à la fin. Oui, mais on me dit, mais parce que. Oui, mais. Non, mais il a appelé les deux. C'est comme tu fais avec le PSG, tu viens, tu pleures à la fin. Oui, c'est facile. Quand il a appelé les deux. Déjà fait. C'est trop en plus, toi qui dis souvent qu'il faut pas, tu sais, la polémique entre les deux, et ça attise pour moi. Donc bon. Ouais, mais qui a fait le... Il n'y a pas de polémique. Il est déjà là de toute façon et Benzema n'est pas là. Parce que malheureusement, il s'est passé un truc. Mais si Benzema n'avait pas été blessé, il aurait joué. Et c'est même pas question de l'un remplace l'autre. C'est que sachant, quand tu as Benzema là, dans l'attaque, c'est une autre attaque. Et quand tu as Giroud dans l'attaque, c'est une autre attaque. Et il comptait faire les deux. Non, jusqu'au dernier moment, il doutait. Si tu avais suivi, tu avais lu un peu, si tu lisais les articles, tu regardais les articles. Les articles disaient des articles de Giroud. C'est facile. Même les plus grands journalistes le disaient. On avait des doutes. Et même Giroud n'était pas sûr. Alors il y a Mika qui dit c'est faux AZ. Quand Benzema était revenu, Giroud était au placard. Ok, bon. Voilà. Comment tu expliques ça? Comme par hasard, à chaque fois qu'il appelait l'un, l'autre n'était pas là. C'est qui alimente la merde, en fait? C'était lui qui alimentait. Là, ça tombe bien pour lui. Il y a Fab qui dit Giroud serait rentré en jeu quand Karim serait fatigué. Ah ben, Giroud serait rentré en jeu. De toute façon, maintenant, ça a vraiment plus d'importance, hein, tout ça. Hein. Benzema, c'est juste pour expliquer le cheminement. Qu'à un moment donné, il a été dit par Didier Deschamps lui-même qu'il émettait l'hypothèse de peut-être ne pas le prendre. Par rapport à etc. Est-ce qu'il acceptera d'être remplaçant, etc. Lui-même alimentait ce truc-là. Franchement, les gars, ça pendant 10 ans,
10 ans Benzema Giroud. Vous n'en avez pas encore marre de parler de ça aujourd'hui, franchement, de 10 ans de polémique. Non, mais c'est pour ça que ça. On en a ras le cul, mais qu'on vienne pas nous dire que c'est nous qui alimentons quand ça vient du sélectionneur lui-même. Voilà, c'est pas nous qui alimentons. On dit qu'à un moment donné, et c'est un fait, que Deschamps lui-même, c'est lui qui a allumé cette polémique. C'est lui qui a activé ça. C'est maintenant, Giroud, il doit sa sélection. C'est nous qui l'avons avant. Mais il a aussi dit que les deux pouvaient jouer ensemble. Ça, vous ne voulez pas le rappeler. Vous l'avez pas entendu, ça. Il ne les aurait jamais fait jouer les deux ensemble. Mais Deschamps, il l'a dit. Ouais, les articles, tu lis pas les articles. Par contre, quand Deschamps, il dit un truc, vous ne voulez pas écouter. Il dit quoi? Il l'a dit, frère. Deschamps t'a dit. Deschamps, c'est comme. Mais voilà, quand je dis que t'es naïf, c'est pas le même Deschamps qui a dit. C'est pas le même Deschamps qui a dit. Ah, donc maintenant, faut lire les articles, mais quand Deschamps dit un truc, on doit calculer s'il ment. S'il ment, quoi. Non, mais tu veux qu'on parle de la parole de Deschamps. C'est pas donc maintenant, on doit calculer s'il ment. Non, mais attends, c'est toi qui pars sur la parole. Je vais te donner un truc. C'est pas le même Deschamps qui nous a dit qu'il prenait 25 et après il a pris 26. Elle est où la parole? Tu veux des paroles? Voilà, je t'en donne. Donc comme il est capable de changer du jour au lendemain. Non, mais c'est ça, c'est parce que quand il a pris Thuram, je pense qu'il sentait la douille par rapport à... Il s'est sécurisé. Il a sécurisé le bail. Est-ce que quelqu'un l'a obligé à dire qu'il allait prendre 25 ou 26? Il a sécurisé le bail, il a eu raison. Au courant, ne nous dit rien. Il nous aurait rien dit, on aurait juste constaté. Bon. Il fait ce qu'il veut. Il a le droit Giroud, il doit sa place en équipe de France. Une seule chose, c'est ses performances. Il a forcé le respect. C'était logique qu'il y soit. C'était logique. Mais pour moi, il y était. Benzema ou pas Benzema, il y était, c'était sûr. De toute façon, ils sont tous les deux dans l'avion. Tu peux me dire tout ce qu'à la fin, ils étaient tous les deux dans l'avion. Là où vous avez raison, c'est qu'à un moment, il avait émis un doute. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Il faut mais à la fin, ça. Mais à la fin, il a quand même pris les deux. Mais c'est trop facile, ce qui compte, c'est le choix à la fin. Oui, mais c'est. Oui, mais on t'explique le choix. Il avait émis un doute qui était injuste. Je vous l'accorde. Non, voilà. Et puis surtout, il n'avait pas trop le choix par rapport aux performances du mec, comme. Et donc, à la conclusion, il a pris les deux. Mais il était. Mais même pendant qu'il faisait ses doutes-là, il était déjà performant. C'est ça que je comprenais pas. Comment tu peux douter d'un mec avant même qu'il ait ses doutes-là? Depuis qu'il est au Milan, il n'arrête pas de cartonner. Mais les gens sont fous de lui, Pioli est fous de lui. Les journalistes italiens, ils en ont que plein Giroud à la bouche. J'ai pas compris comment tu peux avoir des doutes sur ce mec-là. Et justement, il y a Mika qui dit Giroud a un état d'esprit irréprochable et ne s'est jamais plaint. Et justement, je comprends pas qu'un mec comme Deschamps qui le connaît par cœur et qui en plus lui a fait une accolade de genre, je t'aime, t'es mon fils, à la sortie là. Et puis c'était justifié parce qu'avec le match qu'il a fait et le fait d'égaler Henry, quand il est sorti, on a senti quelque chose entre le sélectionneur et Giroud. Je comprends pas comment il a pu douter alors que nous-mêmes on le connaît pas comme lui, mais on sait que ce gars-là, il est suffisamment humble pour accepter d'être remplaçant. Il accepte. Est-ce qu'il doutait vraiment de Giroud, en fait, les gars? Mais aussi, il doutait. Sinon, c'est pour ça que moi je suis pas complètement d'accord. Il fallait pas. Moi, je pense qu'il avait un doute. De toute façon, il s'est quand même passé des choses entre Benzema et Giroud. Je pense qu'il avait surtout des doutes à ce niveau-là. Au niveau de l'ambiance, F1, karting, machin, il y a quand même eu des trucs. Mais Giroud a calmé le truc. Un problème. Certes, mais ça peut créer des tensions. Giroud, il a aussi ses petits copains. Il a aussi ses. Bon, il faut dire. Ah, tu sais. Mais ça, un sélectionneur, c'est son boulot, ça. Donc tu es en train de me dire que Brixinho, en fait, ça confirme ce qu'on dit. Il a eu peur de prendre les deux parce qu'il s'est dit « Ah, j'ai pas envie de me casser la tête parce que j'ai peur que ça fasse... » Peut-être, je pense que c'est une question. Si on prend un autre exemple, regarde au Portugal. Est-ce que tu sais qu'entre Cristiano et... Fernandez. Voilà. Est-ce que tu sais que c'est tendu entre les deux? Mais je pense que c'est un contexte différent. CR7, c'est un peu le Platini ou le Zidane des Portugais. C'est encore pire. C'est un emblème tellement important. Giroud, ça ne l'est pas. Giroud, il n'aura jamais le statut d'un Mbappé, d'un Zidane. T'as beau faire ce que tu veux. Il a un certain statut, mais je veux dire, il sera jamais emblématique, même s'il bat encore le record aujourd'hui avec l'équipe de France, malheureusement, ça, champion du monde, il aura jamais l'aura d'un Zidane ou d'un Platini, tu pourras rien y faire contre ça. Et tu sais très bien que ces joueurs-là, tu les traites d'une manière différente. Tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Oui, mais c'est pas la question. Je te dis, de toute façon, Giroud, faites ce que vous voulez, il sera dans l'histoire. On s'en fout que le charisme, tout ce qu'on veut. C'est justement, c'est pour ça que moi, je respecte ce mec. C'est même pas une question de charisme. Lui, il ne correspond pas au code. Lui, il ne dribble pas dans les cabines téléphoniques. Ouais, il n'est pas sexy, il n'est pas cela. En attendant, il va rester dans l'histoire de l'équipe de France. Oui, d'accord, mais que tu le veuilles toi ou pas, de toute façon, Giroud, il n'aura jamais cette aura qu'a un Zidane. Voilà, t'as beau dire ce que tu veux, il aura beau marquer 200 buts avec l'équipe de France. Ouais, mais il est dans l'histoire, et c'est pas ce qu'il demande, il s'en fout. C'est ce oui, je sais bien, mais je pense que Deschamps, oui, il a peut-être eu le doute, et puis c'est normal d'avoir le doute. N'oublie pas de dire, nous... Attention, si vous n'êtes pas d'accord, je vais lancer le duel. Si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord. Pas là-dessus. Attention, allez-y. Alors, attends, pas là-dessus ou on vous lance en duel? Non. Non, parce que vous êtes, parce que vous êtes un peu, non, parce que vous êtes un peu d'accord. Parce que tu vas pas répéter, ce que t'as déjà dit. Par contre, il y avait un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord, Papa Furax et Franck, je sais plus c'était quoi. Il y a Franck qui était encore pessimiste sur un détail, je crois. C'était sur la mise en place défensive de Deschamps. Moi, je comprenais pourquoi il mettait Lucas Hernandez et pas Théo. Et lui comprenait pas, voilà, c'était juste ça. Pourquoi Lucas Hernandez et pas Théo? Donc, on va faire un duel là-dessus. Du coup, toi, tu vas nous donner ton explication et après, Franck t'enchaîne. Moi, je vais te donner mon avis pourquoi au départ il a pris Lucas Hernandez. Parce que j'ai pas. Drixinho et Franck. Ouais, alors vas-y, Drixinho. Alors j'y vais, voilà, parce que Franck il comprenait pas pourquoi. Moi je dis, il y a une certaine forme de cohérence. Je dis, je comprends pourquoi au départ il met donc Lucas et pas Théo. Je vais expliquer pourquoi. Effectivement, au départ, vous rappelez-vous, quand je fais l'équipe de France, au départ, je mets Théo Hernandez à gauche et Lucas dans l'axe, en défense centrale. Hein, je ne le mets pas latéral gauche. Après, si tu veux, je comprends pourquoi il met Lucas. Pourquoi il met Lucas? Parce que Lucas, pour moi, il a un profil beaucoup plus défensif que Théo Hernandez. D'accord? Avec Rabiot sur le côté gauche, donc ça permettait, si tu veux, à Kylian Mbappé de ne faire quasiment pas de repli défensif. Donc pour moi, si tu veux, il mettait dans les conditions ultimes, max, les meilleures conditions possibles pour que Kylian Mbappé s'exprime au mieux, en sachant que Kylian Mbappé, ça reste quand même le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc je trouve normal qu'on le mette dans les meilleures conditions. Pour moi, ça ne me paraissait pas incohérent, si tu veux, ça me paraissait plutôt cohérent. En sachant que quand même, Deschamps qu'on dit, et notamment Franck, qu'il a toujours un aspect défensif des choses, ce qui peut se comprendre, mais on joue quand même avec 4 joueurs. On joue avec quand même avec 4 joueurs offensifs. Une minute, ça passe vite, t'as vu, comme tu peux le constater. Mais on joue quand même avec 4 joueurs, offensifs. C'est donc fini. Ça paraissait cohérent. Mais c'est fini, poteau. On va mettre des sanctions pour ceux qui dépassent la minute, faut suivre. À toi, Franck. Moi, je ne comprends pas au départ parce que tu joues l'Australie. Si tu joues l'Espagne, si tu joues l'Allemagne, ok, je comprends. Que tu fasses ce choix-là de mettre Lucas Hernandez, mais tu joues l'Australie. Et d'ailleurs, on a vu que la rentrée de Théo, est-ce que défensivement, on a été déséquilibré? Non. Donc, en plus, ça valide d'autant plus le choix, comme moi, je pense. Donc, j'ai dit, Deschamps, moi, il faut arrêter d'être frileux. Voilà, tu as des joueurs, des qualités. C'est que l'Australie. Et la preuve, on en remet 4. J'ai même pas le souvenir d'une action où Théo a été mis en difficulté défensivement. Et où Mbappé a été obligé de venir défendre, c'est l'Australie. Qu'il le fasse contre une grosse équipe, l'Allemagne, le Brésil, qui tu veux, ok. Mais là, c'était l'Australie. Et comme par hasard, c'est même pas moi qui casse son truc, c'est le karma. Le karma s'est chargé de régler le truc, en fait. Il s'est trompé au départ, le karma a réglé malheureusement le truc en faisant que l'autre se blesse et que Théo okay. a vu là, le changement que Théo a apporté quand il est rentré. Ah ouais, vous aimez bien le temps additionnel hein, comme Drixinho. On est au Qatar, il y a un quart d'heure d'arrêt de jeu. Justement, bonne transition, Papa Furax, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe avec cette histoire de temps additionnel là, dans cette Coupe du Monde? Ouais, alors apparemment de ce que j'ai compris, parce que j'ai compris ça aujourd'hui, parce que à force de voir les matchs, comment ça se passe. Tu fais pas le sondage sur le duel? Hein? Oui, j'aurais dû faire un sondage. Oh là là, il n'est pas pro, lui. Ah, j'ai pas fait ça. Oh là là.
Désolé. Le mec, c'est mon premier. Il fait un duel après. Et allez, fermez vos gueules. Pardonné, c'est son premier. Non, après, chacun, il a eu son temps de parole. Les gens, après, voilà. Mais la prochaine fois, je le ferai. Vous inquiétez pas. Alors, vas-y, ouais. Papa Furax. Donc, je disais, apparemment, c'est Colina, qui est un des plus grands arbitres de l'histoire, qui est aujourd'hui le patron des arbitres à la FIFA, qui a décidé pour cette Coupe du Monde-là que. Dans un match, apparemment, on a 80, à peu près 85 minutes de jeu effectif. Et il y a toujours 5 minutes de perdu sur les remplaçants, sur les blessures, sur les ci, sur les ça, sur le non-jeu. Et il a décidé, comme à chaque fois, de rajouter volontairement, plus de faire 2-3 minutes d'arrêt de jeu, mais s'il y a eu une blessure, s'il y a eu 5 changements, etc., s'il faut rajouter les 6 à 7 minutes, 8 minutes qui ont fait que pendant cette période-là, on n'a pas joué, les 30 secondes où on remplace les joueurs, plus les blessures, et parce que des fois, il y a des blessures, et à la fin, tu as 3 minutes d'arrêt de jeu comme d'habitude. Donc là, c'est apparemment normal, c'est décidé qu'il y aura 5, 7, 8, 10 minutes d'arrêt de jeu s'il le faut. S'il n'y a que 2 remplacements, bah, ça va réduire. Si chaque équipe fait 5 remplacements, on aura 7-8 minutes minimum. Et il y a Makam Sepanam qui nous dit exactement, ils veulent 90 minutes de jeu effectif. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, je sais plus. Ouais, donc maintenant, inutile d'être... Enfin, ils en ont parlé à chaque match, à chaque mi-temps, parce que tu sais, on a fait plusieurs matchs aujourd'hui et à chaque mi-temps, ils ont dit ça. Donc là, à un moment donné, c'est bon, il faut qu'ils arrêtent. J'espère qu'on va pas... à un moment donné, on a compris. Donc bon. Et pourquoi ils font pas ça? Ah oui, c'est ça que je voulais demander. Pourquoi ils font pas ça de tout le temps, parce que ça devrait être logique, ça devrait être tout le temps comme ça. Bah souvent, la FIFA, le problème, c'est que pendant les Coupes du Monde, à chaque fois, ils nous sortent des trucs, c'est comme la VAR, on l'a essayé pendant la Coupe du Monde, voilà. Ils nous préviennent jamais. Alors moi, maintenant, dans l'absolu, ils ont raison, parce que c'est vrai que pour le coup, on a un vrai temps effectif. Maintenant, ce qui serait bien, je pense, pour que ce soit plus lisible pour tout le monde, bah, comme au basket ou au rugby, on arrête le chrono, terminé, le chrono, temps effectif, ce sera moins compliqué pour tout le monde. Je pense. Je suis d'accord avec ça. Exactement, exactement. Même si après, il faudrait éviter que certains restent trop au sol pour perdre du temps et qu'on soit obligé d'arrêter à chaque fois. C'est ça aussi le danger, quoi. Malheureusement. Pour une fois, le basket est à prendre en exemple, effectivement. Si le match il doit s'arrêter 2 minutes, le chrono est arrêté et on repart sur le moment où on a arrêté le chrono, quoi. Dire, il restait 5 minutes, et ben, c'est pas genre il faudra rajouter 5 minutes. Tu joues à ce moment-là. Et c'est vrai ça peut finir des matchs où imagine qu'il y ait des prolongations et tu rajoutes 5-6 minutes dans les prolongations. Le mec, c'est un match qui dure 4 heures. Quoi, mais moi je trouve ça bien. Et comme le dit Makam Sepanam, c'est tellement mieux en termes de plaisir et sensations. Moi, je trouve que c'est cool. Il faut doser. Sinon, ça va faire direct des matchs comme Qatar-Algérie, quoi. Tu te rappelles? Imaginons que ce soit des matchs vraiment à suspense et que finalement, tu rajoutes 8 ou 9 minutes d'arrêt de jeu. Bah, peut-être que le but, tu peux aller le chercher, là. Psychologiquement, ça change tout. Mais c'est ça qui est bien. Oui, c'est sûr. Parce que quand tu sens que t'es claqué, il reste que 2 minutes. Mais non, il reste 8, 9, 10 minutes. Putain, allez, on y va encore. Il y a des gens qui ont dit que l'Argentine, ils se sont fait flouer parce que justement, cette histoire d'arrêt de jeu, mais au contraire, c'était en leur faveur pour égaliser. Mais bien sûr, au contraire, exactement. Ouais. Donc bon, et c'est pas la seule nouveauté dans ce mondial. Je sais pas si l'un d'entre vous serait capable de me dire. Il y a un bail. Sur leur jeu. Leur jeu. La VAR passive ou autre. Non, hors jeu passif, je crois, c'est un truc comme ça. Ils avaient expliqué, mais vas-y, je suis. C'est la VAR. C'est la VAR. J'ai pas suivi VAR passive ou autre comme ça. D'ailleurs, le jeu passif, c'est quand t'es peut-être pas dans c'est toi qui attaque le ballon, tu vois, c'est toi qui va le chercher le ballon, donc c'est toi qui es semi-automatique. Ça veut dire que c'est automatique, il y a hors-jeu, mais après, ils vérifient quand même au cas où il peut y avoir une erreur. Voilà. Mais c'est hors-jeu automatique. Ils ont mis plein de lignes invisibles que nous, évidemment, ne voit pas à l'œil nu, qui font que quand le joueur, il dépasse un peu... Quand il hors-jeu, il hors-jeu d'office. Et après... Il y a l'humain derrière qui vient checker. Voilà, c'est pour ça, semi-automatique. Voilà, c'est ça. Il y a Makam Sepanam qui dit...
Franchement, vous avez pris du plaisir ce soir. Justement, bonne transition. Et on a un don de Vincent. Merci beaucoup, Vincent. Gros big up à Vincent. Faites-moi des big up pour Vincent, s'il vous plaît. Justement, il demande si on a pris du plaisir au début, avant le live. Pas Furax et Franck, vous aviez l'air pas d'accord sur un détail. Alors, évidemment, on est tous contents. Mais Franck aurait à redire. Je sais pas à redire. Si. Papa Furax, il dit ah, ce soir quand même, ah là là, et tout. Et il est content. AZ, on vient de faire le duel sur le point sur lequel on n'était pas content. Non, ça c'était avec Drixinho. Alors, je te réexplique. Je te remets en condition. T'inquiète, là. Je parlais pas, mais j'entendais. Moi, j'ai dit, ouais, c'est super, on a fait un bon match. Il faut savourer l'instant parce qu'évidemment, il y aura des trucs à redire plus tard. Et c'est à ce moment-là que. On a parlé des défenses, des frères, etc., que Franck a dit justement, ben oui, mais pourquoi il fait le frileux des champs, il savait très bien l'adversaire qu'il avait. Et moi, je disais, oh, on va pas chercher la petite bête pour tout, on aura le temps de se prendre la tête dans les prochains matchs. Bon, je cherchais un duel, je l'ai pas trouvé, tant pis. Il n'y a pas de duel, on l'a fait déjà. Il dit, voilà, il n'y a pas de duel. Eh Franck, tu vas être dans tous les duels, toi, déjà, je préfère te le dire tout de suite. Ah bah écoute, pas de problème. Tu peux ne t'inquiète pas, je suis Mike Tyson, moi, je défends tout le monde. Ok, pas de problème. Drixinho, petite question un peu hors sujet, mais quoique ça revient avec ce qu'on disait avant. Le match, je sais pas si tu l'as vu, peut-être pas, mais le match Tunisie-Danemark qui s'est fini par un 0-0. À un moment donné, il y a la Tunisie, il y a une main des Danois qui est flagrante, mais on n'appelle pas la VAR. Chose qu'on a déjà vu assez régulier, qu'on voit régulièrement toutes les saisons. Et après, peu de temps après, il y a une main main d'un Tunisien dans la surface. Et là, cette fois, l'arbitre a appelé la VAR et là a estimé qu'il n'y avait pas main parce qu'elle touche d'abord un corps. Et bon, bref. Alors, je rentre pas dans le pourquoi du comment il y a main ou il n'y a pas main, mais moi, ma question, Drixinho, peut-être tu pourras pas y répondre, mais que tu pourras avoir une réponse à peu près. Pourquoi à un moment on sort la VAR et à un autre moment, pour un même genre d'occasion, la VAR, on va s'en passer? Bah, c'est le problème, la VAR. Moi, des fois, je me dis, c'est encore mieux pour se faire entuber au bout du compte, parce que maintenant, vu qu'il y a la VAR, on peut pas dire il y a entubage ou pas entubage. C'est un peu la problématique. Là où il y a l'entubage, c'est quand je la sors ou je la sors pas. Voilà, parce qu'on a déjà vu ces problèmes-là, notamment du côté du Real de Madrid. Bon, ça, malheureusement, il y aura encore ce genre d'histoire. Maintenant, faut faire attention sur les premiers tours, les gars. Faut savoir que les arbitres, c'est des arbitres de très petit niveau. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, beaucoup, parce que souvent les premiers arbitres, c'est on prend des mecs de partout, du Kosovo, on prend des mecs, du Zimbabwe, parce qu'en fait, t'as tous les arbitres de toutes les fédérations et c'est pas forcément les meilleurs arbitres. Voilà, donc ça peut, c'est pour ça que vous avez dû voir quand même quelques petites erreurs d'arbitrage ou des fois des prises de décision un peu abracabrantes où on comprend pas trop. Mais ça, je pense que c'est un problème de niveau sur les premiers tours parce que c'est des arbitres de petites fédérations. Parce qu'à la Coupe du Monde, il faut que tous les arbitres de toutes les fédérations soient représentés. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a d'erreurs flagrantes, si tu veux, mais effectivement. Oui, voilà. Il n'y a pas eu d'erreur flagrante et justement l'arbitre de l'équipe du match. Et je vais te dire sur l'arbitrage, je pense que nous en France, on va fermer un peu notre bouche parce que je pense qu'il y a 4 ans, il y a un ou deux pénalties qui a été sifflé pour nous, qui a été très 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 bien généreux, notamment un qui a été sifflé en finale de la Coupe du Monde. Mais t'as quand même pas répondu à ma, pas réussi. Enfin, tu n'as pas pu répondre à ma question. Mais Fab, lui, il a réussi. Fab, il a dit, c'est juste qu'il y a des arbitres qui méritent d'aller se faire VAR. Bien joué, Fab. Bien joué. Donc voilà, Papa Furax. Il semblerait, je suis pas sûr, mais que l'arbitre de la rencontre à France-Australie, c'était un Mexicain, je crois. Il a plutôt bien arbitré. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Disons que c'est pas qu'il y a vraiment des grosses. Il y a pas vraiment de grosses fautes d'arbitrage. Je crois quelques tacles agressifs. Un Sud-Africain. Je pense qu'il y a quelques tacles en Ligue des Champions. Il y aurait eu des jaunes et l'autre il a laissé un petit peu jouer. Mais je pense que c'est simple à arbitrer. Ça reste quand même relativement simple et bon, il n'y a pas pour l'instant de catastrophe en la matière. Il y a des matchs où l'arbitre il n'a pas besoin de se montrer. Là, il n'y avait pas besoin. Attends, je donne la parole à Papa Furax. Il y a Macam Sepanam qui dit franchement, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de faute d'arbitrage ou très peu. Moi aussi, je trouve que c'est plutôt propre, Papa Furax. Oh,
Bah pour l'instant, je vais te dire, j'ai pas vu beaucoup de matchs, je taffe. J'ai vu. Ouais, j'ai pas tout vu. Je préfère t'arrêter. Je pense qu'un joueur australien, par exemple, aurait pu mériter un rouge bien avant. Il a attendu. C'est là que ça peut être dangereux, parce que ça peut te péter un joueur quand même. C'est pour ça que je te dis ça. C'est des arbitres qui sont peut-être pas forcément au niveau. C'est pas méchant, mais il faut faire attention quand même. La faute sur Tchouaméni méritait quand même un minimum un carton jaune. Rouget, comme on dit. On a déjà pas mal de problèmes, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Alors, pour l'instant, comme on dit, la VAR n'a pas commis de boulette. On n'est qu'au début, on n'est qu'au troisième jour, etc. Les boulettes montera en pression quand on sera en huitième, en quart, en demi, où tout se joue sur des petits détails. Mais c'est difficile de faire une boulette avec la VAR. Tu peux pas faire de boulette. Par contre, Le problème, c'est choisir de la sortir ou pas de la sortir. C'est ça. Donc tu fais une boulette. Si tu fais un mauvais choix de pas la sortir. Papa Furex, il a dit un truc. Non. Le truc important, c'est de jamais oublier que ce sont des hommes qui sont derrière. D'accord. Voilà. C'est peut-être pour ça, parce qu'il y a eu tellement de polémiques sur les mains, sur les hors-jeux, etc., qui tuent les matchs parce qu'on s'arrête pendant 5 minutes avant de savoir ce qui se passe, qu'ils ont créé ces trucs de l'ordinateur pour dire hors-jeu comme la Golden Line pour voir si le ballon a franchi la ligne. Ils vont dépendre de la machine parce que eux, les hommes, à part décider en leur âme et conscience et des fois aller comme ça, parce que, comme tu dis, sur la même situation, dans le même match pour deux équipes différentes, c'est pas la même sanction. Donc à ce moment-là, tu te dis, c'est pas la machine qui décide, c'est l'homme qui est derrière. Et l'homme, ça sera toujours genre, oh, je siffle là ou pas, je fais ou pas. Non, là, j'ai pas envie. Là. C'est ça le problème. Si tu fais le système de la VAR, faut que ça soit l'image qui parle et pas le mec qui va décider pour la même chose, là, il y a faute et là, il n'y a pas faute. Ouais, ok. Franck, là-dessus, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, après, moi, je dis juste que c'est quand tu la sors ou que tu la sors pas, c'est là qu'est l'erreur. Ça, en fait, c'est ça le problème de la VAR, c'est qu'ils n'expliquent pas tout, alors on comprend mal. Il y a des situations où ils ont le droit de sortir la VAR, il y a des situations où ils n'ont pas le droit. Pour les mains dont tu parlais, alors je sais, ça dépend à quel niveau où la main s'est située, mais en tout cas pour la VAR, c'est l'explication, c'est que ça dépend de la zone. Ils ont des zones où tu peux utiliser la VAR ou après un certain temps. Même si on a vu à Ligue des Champions notamment, vous rappelez-vous, quand on se fait couillonner où il y a la faute, le fameux penalty contre le Real, où on marque et ils reviennent en arrière sur une faute de Gueye, tout ça là. Donc c'est ça qui est chiant avec la VAR, mais sinon c'est un outil intéressant. Mais comme a dit Papa Furex, le problème ce sera toujours l'homme. C'est la manière dont il utilise le truc. On a déjà vu des arbitres en Ligue 1, tu vois, ils discutent pendant des heures avec les gars au téléphone. Il n'y a personne qui est foutu de prendre ses responsabilités. Ah bah nous on a vu ça, bah vas-y, maintenant c'est à toi de décider. En fait c'est ça, on laisse toujours, il y a la VAR, mais on laisse toujours l'homme prendre la décision finale. Il faudra qu'on mette un système où c'est la machine. Moi j'ai un truc que j'ai jamais compris. Et que tout le monde les machines, moi je suis pas toujours d'accord non plus. Ça fait des années que ça te gâche aussi un peu les émotions. Moi maintenant un truc que j'ai jamais compris, un sport comme le football où tu as un terrain qui est énorme, t'es qu'un arbitre, regardez au basket, t'as 3-4 arbitres, regardez au rugby, t'as des arbitres de partout, et les mecs en fait ils prennent des décisions entre eux. Moi c'est un truc que je comprends pas, c'est que t'es qu'un mec qui est obligé de parcourir, parce qu'il faut pas croire, un arbitre ça court entre 10 et 20 km par match, on se rend pas compte mais c'est énorme. Moi c'est un truc que j'ai jamais compris, pourquoi on mettait pas deux arbitres sur le terrain? Je pense qu'on éviterait à mort les erreurs, parce que les mecs au bout du compte courraient moins, donc seraient moins fatigués, donc seraient plus lucides et prendraient peut-être de meilleures décisions. Ça peut être une idée, mais je sais pas pourquoi. Ça peut être une idée, voilà, si on veut faire évoluer dans le bon sens, éviter les erreurs d'arbitrage, avoir plus d'équité, par exemple. Ça peut être, pourquoi pas, une idée. Mais Platini en avait parlé, justement, lui, il parlait de ça. Il aurait préféré notamment avoir plus d'arbitres que mettre des machines. Je trouve pas c'est idiot. Comment le positionner, les mecs? Le mec, parce que si tu as des équipes qui jouent dans les espaces courts, l'arbitre, il faut qu'il sache comment se positionner, c'est pas évident. Je pense que chacun prend une moitié de terrain, tout simplement. Hein. Voilà, chacun prend une moitié de terrain et basta. Moi, c'est comme... Enfin, bon, après, je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas, je veux dire. Où tu as 22 bonhommes sur un terrain, regarde le football américain, regarde le rugby, ils sont je sais pas combien, le basket, c'est encore pire, dans un petit périmètre, ils sont moins 3-4 arbitres. Le football américain, c'est celui qui est le plus avec des machines. Hein. Ils ont des trucs aussi, mais ils ont les deux. Ils mettent les deux en place.
Mais d'ailleurs, il y a très peu de polémique dans ces sports américains sur l'arbitrage. Ah non, mais le juge, c'est vraiment la machine. Hein. Tu regardes la NBA, ils vont regarder la vidéo et il n'y a personne qui discute. Hein. Ils regardent la vidéo, tac, tac, la vidéo a jugé tac, c'est terminé. Ok, pour conclure, on fait un rapide. Enfin, votre avis, un rapide tour, même si vous n'avez pas vu tous les matchs. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Qu'est-ce que vous attendiez? Vous attendez pas? Un rapide tour pour terminer. Il y a la grosse surprise dont tout le monde a parlé, évidemment. On vous écoute là-dessus. Papa Furax sont à. Puisque là, ils étaient en train de. Je l'ai entendu, je l'ai. En regardant pendant ma pause, oui, l'Arabie Saoudite qui tape l'Argentine. Bon, on a vu déjà l'Argentine se faire taper par le Cameroun et quand même finir en finale d'une Coupe du Monde. On a vu en 2010 l'Espagne se faire taper au premier match par la Suisse et finir championne du monde. C'est vrai. Rien n'est définitif, même si tu perds le premier match. Et on a vu des équipes cartonner au premier tour en match de poule, taper tout le monde et se faire taper en huitième. L'expérience des anciens qui parlent. Ok. Ouais. Il a raison. Drixinho. Je vais être d'accord avec lui. Bon, c'est historique ce qu'a fait l'Arabie Saoudite dans l'histoire de toute la Coupe du Monde, pas uniquement pour leur histoire à eux quand même, hein, parce que tu bats quand même l'Argentine 2-1. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose. Bon, on a vu que mettre 6 buts, faut quand même les mettre, les 6 buts, même face à l'Iran. Et pour l'instant, sans être chauvin ni arrogant, mais l'équipe qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, en ce moment, c'est l'équipe de France. J'attends de voir l'Allemagne, j'attends de voir le Brésil et voir l'Espagne, mais pour l'instant, je pense qu'on fait quand même, on a frappé fort quand même là, je pense. Maintenant, on va pas s'enflammer. Comme dit papa, il a raison. Match par match, on verra bien. Ça va monter d'un cran contre le Danemark. On espère encore voir une victoire. Et pareil, dans le même état d'esprit. Hein, match par match. Ayons de l'humilité, hein, ne soyez pas trop arrogants et on verra ce que ça va donner. Alors là, on parle des matchs, hein, on fait un tour de ce qui s'est passé et tout. Il y a aussi le Sénégal qui a perdu. Franck. Sur le match contre moi pour le l'Argentine, moi je ne suis pas persuadé que ce soit un accident. Je pense qu'on voit une équipe, moi cette équipe argentine, moi je ne la. Pourtant, elle fait partie des matchs que j'ai vu entre guillemets. Ouais, je crois qu'il n'entend pas. Ne me rassure pas. Moi, ce n'est pas une équipe que je vois. S'ils font demi-finale, pour moi, c'est un exploit. C'est une équipe vieillissante. Mais pourtant, ils font partie des favoris. Oui, l'Argentine, pour moi, je l'aimais. Ce n'est pas mon principal favori. Hein. Je mets bien des équipes devant. Je mettrais l'Allemagne, même l'Espagne, aujourd'hui, je le mets devant. L'Argentine, c'est vieillissant. Mais pourquoi ils font partie des favoris, alors quoi. De quoi. Pourquoi ils font partie des favoris. Mais parce qu'il y a Messi, tout simplement. Mais sauf que Messi, on l'a vu aujourd'hui, Messi ne peut rien faire tout seul. Non, c'est parce que depuis 36 matchs contre qui, c'est toujours ça. C'est le champion d'Amérique du Sud. Donc forcément, si tu veux, et puis il y a le prestige de l'Argentine et de Messi. Donc c'est pour C'est le prestige. Mais quand tu regardes bien cette équipe, c'est vieillissant. Dans le football d'aujourd'hui qui va assez vite, mais là, c'était que l'Arabie Saoudite. Il faut leur laisser la pression à eux, les gars. Faut faire du Brésil favori, l'Argentine favori, l'Espagne favori. Bah oui, ça fait nos affaires. On est aussi bon que quand on nous attend pas. À chaque fois qu'on se prend pour les meilleurs, on se fait sortir. 2002, 2021. 2021, on est les meilleurs champions d'Europe, on a vu ce que ça a fait. Donc, même Mourinho, t'as vu ce qu'il avait dit, Mourinho. Mourinho, il avait dit des trucs de ouf sur l'équipe de France et à la fin. Bref, mais il y a des gens, ils sont énervés, ils sont pas argentins, on peut soutenir un pays sans être d'origine du pays, il y a pas de problème avec ça. Mais moi je trouve ça bizarre, genre c'est toujours les mêmes, c'est genre ça me vénère. Tranquille les gars, nous ça nous arrange et puis après ça me fait rire, après c'est pas grave. Tu sais c'est qui ces gens-là? C'est les supporters de joueurs. Parce que Messi, là, à Paris, donc on soutient Messi coûte que coûte, qu'il soit le maillot parisien. Il y a forcément des gens déçus, mais je trouve que. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont déçus. Ils sont pour les bleus. Enfin, c'est. Il y a une partie des gens déçus du match de l'Argentine, je comprends pas, mais ils sont pas déçus un peu. Hein, ils sont vénères. Et oui, ils sont mais pas vraiment. C'est le phénomène de joueurs. C'est la nouvelle génération, ça, les gars. Voilà. C'est des gars qui se font. Ils ne supportent pas les clubs, ils ne supportent pas les. C'est les mêmes qui vont sauter à moitié poil dans la fontaine de leur village quand la France elle va. Si la France a fait des trucs bien par la suite de la compétition, donc bon, faut doser. Après il y a le Sénégal, c'est dommage hein, pour le Sénégal aussi. Ah ben voilà, c'est le Sénégal, tu vois que certains sous-estimaient peut-être l'accent de Mané, tu le vois, ne serait-ce que par l'expérience.
Ça compte. Il y a des mecs qui ont du talent devant, mais c'est pas Sadio Mané. C'était pas mal. Les Sars, ils ont essayé. Et en plus, quand tu domines, enfin, ils n'ont pas dominé, mais ils faisaient quasiment jeu égal. Mais quand tu ne finalises pas, bah, tu prends le risque de te prendre des buts. Voilà, ils se sont pris deux buts sur la fin. L'entrée de Depay pour la Hollande, ça leur a fait du mal. Et puis voilà quoi. Mais bon, je pense qu'ils peuvent encore se reprendre. Il y a encore des matchs derrière. Il faut. Ils peuvent encore se qualifier. Maintenant, l'histoire nous apprend qu'en Coupe du Monde, c'est toujours les. Ouais. Maintenant, l'histoire de la Coupe du Monde nous apprend toujours que c'est que les grosses nations qui la gagnent. Il n'y a que 8 nations qui la gagnent en 100 ans de Coupe du Monde. Et ça tourne toujours autour des mêmes. Donc, je pense, et cette année, je pense que je ne crois pas du tout à une surprise. Il n'y aura pas de surprise. Moi, je l'ai dit, non, il n'y aura pas. Ça va jouer entre nous. Bon, on a vu que l'Angleterre sera peut-être là quand même. Bon, le Brésil sera là quand même parce que voilà, c'est des valeurs sûres. Voire l'Allemagne, quoi. Je pense que ça va vraiment tourner sur ces 4-5 nations. Papa Ferrari, si vous voulez prendre la parole. Pardon, le Portugal. Moi, voilà, j'allais dire, il y a peut-être la surprise. C'est une équipe qui n'a jamais été championne du monde. C'est ça. Qui peut gagner cette Coupe du Monde. Attention. Le Portugal n'a pas encore commencé. On attend de voir parce que eux, sur le papier, ils sont énervés. Et ouais, je voulais dire, là, l'histoire, moi, en fait, là... Moi, c'est le favori du bon roi. Ouais, ceux qui supportent l'Argentine, parce qu'il y a Messi, tout ça. Mais je suis sûr que dans le tas de ceux qui sont vénères sur les chats et tout ça, parce que c'est pas la planète entière non plus, mais c'est peut-être des supporters de Paris, parce qu'il y a Messi. Alors donc, ils vont supporter l'Argentine, le Brésil... C'est ce que je disais. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup Neymar, j'aime bien Messi, mais j'aime beaucoup Neymar. Mais je suis pour la France avant tout. Et sur l'équipe de France qui soit championne. Moi, quand Messi, quand j'allume mon PC, je vois Non, mais c'est rigolo, l'Arabie Saoudite 2-1. Eh, moi, ça me fait rire. Je me dis, ah, bah merde alors. Après, si Messi, il met des buts de dinguerie et tout, je vais être content pour lui. Mais s'il se fait plumer, la première chose, c'est je rigole. Moi, c'est mon. Moi, ce soir, j'étais tendu. D'ailleurs, au début du match. Franchement, les Australiens, on n'a pas parlé des Australiens. Au début du match, on n'était pas bien, les gars. Les Australiens, t'as vu, à un moment, il y a un poteau. Hein. Et Hugo Lloris, il était plus dans le coup. Hein. Ah, même Hugo Lloris a encore fait une boulette. À un moment, il a. Ah, bah, je vous en ai parlé, les gars, d'Hugo Lloris, avant la Coupe du Monde. Il a dégagé au dernier moment, là. On va voir. Ça, c'est dans les matchs décisifs que c'est important d'avoir un très, très gardien. Voilà. Ce sont les erreurs de Pavard ou le non-match de Pavard ou les cagades ou le match médiocre de Konaté ou les une ou deux erreurs de Lloris. Faut pas l'oublier que c'est parce qu'on gagne 4-1 que ça passe un peu inaperçu. On critique, on tape. Et certains vont dire « Oh, mais vous êtes critique même quand il y a une belle victoire. » Mais justement, ce genre de victoire ne viendra pas tout le temps. Non. Et les conneries se paieront cash. Voilà. Et puis, de toute façon, l'émission, on est là pour critiquer, les gars. Moi, j'ai déjà dit. Si vous voulez qu'on fasse une émission, on dit, on sort les... On se met des plumes dans le cul, on dit, on est tous seuls, on est les meilleurs du monde. C'est pas la peine. Hein. Depuis qu'il a atteint les 1000 abonnés, là, et j'ai vu son crâne chauve... Eh putain, alors là, les plumes dans le cul, le truc, ça dit des gros mots, on invite les gros mots ici. Il faut le dire parce que c'est un peu fatigant. Moi, j'aime pas ce truc aujourd'hui là où il faut absolument dire du bien sur tout. Voilà, j'ai l'impression de voir un film où il y a des robots, on a une pensée unique. La pensée unique, ça m'intéresse pas. Et Franck, rapidement, qu'est-ce que t'as pensé du match de la Tunisie? Il y en a que ça intéresse. Bah, le match de la Tunisie, j'ai trouvé qu'ils se sont bien battus. Ils n'ont pas été récompensés sur le score, mais le nul, c'est un très bon résultat pour eux. Non, les Tunisiens, moi, j'ai assez agréablement été assez surpris de cette équipe. Non, ils ont montré très bonne chose. Hein. Pour moi, ça faisait partie des équipes avec nous. Quand je dis nous, le Cameroun, ça faisait partie des équipes sur lesquelles je comptais pas trop. Donc, ils m'ont très bien et m'ont agréablement surpris, les Tunisiens. Là, moi, juste la finition. De ce que j'ai entendu, là, c'est le Danemark qui a été décevant. Non, ouais, les Danois n'ont pas été ridicules, hein, les Tunisiens. Mais c'est les Tunisiens qui ont élevé leur jeu, ce qui veut dire que si la France joue vraiment à son niveau, ils doivent taper le Danemark. Oui. Ah oui. C'est comme la Tunisie d'ailleurs. Salut Parisien Suisse, et il y a Steven qui dit Tunisie, vraiment bien surpris, engagement total, Drixinho.
Oui, alors c'est vrai que surtout sur l'aspect tactique, hein, ils ont été très intelligents parce qu'il faut aussi voir ça le football comme ça, pas uniquement. Voilà, il y a aussi l'esprit tactique, c'est-à-dire que les mecs, c'est loin d'être des cons, ils ont certainement aussi un QI football. Moi, j'ai vu comment ils ont bien resserré les lignes. En plus, ça relançait quand même derrière, ça n'a pas fait que balancer. Maintenant, ces équipes-là, souvent, elles sont assez bonnes sur les premiers matchs, mais souvent, elles ont beaucoup de mal sur l'aspect tactique. Ah bon, c'est que c'est rapport au bout. Voilà, ouais, ça finit par exploser parce que tu as vu, ils ont fini complètement laminés d'ailleurs. Ouais, parce que c'est... Comme les Saoudiens d'ailleurs. Parce que les mecs, nous, on sent quand même qu'on a une marge. Tu vois, les grandes nations comme la France, au bout de 60-70 minutes, t'avais déjà le match en main, t'as pu être dans la gestion. Donc, tu vas. Je te l'ai toujours dit, la Coupe du Monde, l'aspect athlétique est hyper important. C'est souvent les équipes qui sont les plus fraîches qui vont au bout. Hein. C'est pour Parce ça qu'il y a deux compétitions. Hein. T'as la compétition là en poule et après c'est fini. Hein. Tout ce qu'on a vu en poule, on pourra tout remettre à zéro. Hein. Faut tout remettre les paramètres à zéro une fois que tu rentres en huitième. C'est une autre compétition qui rentre. Et c'est pour ça que c'est important de tuer les matchs tout de suite. C'est exactement. Pour ça, l'équipe de France, je vais te surprendre, mais on est tout de suite resté dans le match. Il faut tuer les matchs tout de suite face à des équipes qui ont des blocs bas comme ça. Plus le match avance, plus ils prennent confiance. Là, les Australiens, on leur a pas laissé le temps. Ils ont marqué un but. Ils ont même pas eu le temps de souffler que. Ok. On va pas dire tout de suite. On conclut. On leur a pas laissé le temps. Franck. Quand tu joues des équipes. J'ai l'impression qu'on l'entend pas des fois. J'ai l'impression qu'on l'entend pas. Franck, tu lui mets un chrono d'une minute. Non, mais je crois qu'il a un problème. Non, mais il a un problème de décalage ou de je sais pas, il entend pas. Ouais, il y a un décalage. Je voulais qu'on conclue avec les quatre rencontres de demain. Je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Il y a Maroc-Croatie à 11h, il y a Allemagne-Japon à 14h, Espagne-Costa Rica à 17h et Belgique-Canada à 20h. Quel match vous fait le plus envie? Le premier, il a l'air intéressant. Maroc-Croatie, ouais, moi aussi. Et même l'autre, j'ai envie de regarder, parce que le Japon, en général, ça joue bien au ballon. C'est Japon qui? Japon-Allemagne. Justement. Donc deux équipes qui jouent au ballon. En général, les Japonais, ça joue très bien au ballon. Enfin, je sais pas, les dernières Coupes du Monde, j'ai trouvé que... dernière Coupe du Monde qu'ils avaient fait, c'est... souvent, ils se font éclater. C'est quoi, au Costa Rica? L'Espagne à 17h, Costa Rica. J'ai envie de voir Navas arrêter un pénalty. Ouais, et Belgique, Canada, ça a l'air pas mal. Enfin, je sais pas, la Belgique, c'est toujours intéressant, je pense, non? C'est une équipe montante, mais je pense qu'ils vont se faire gifler quand même. Donc, dans tout ça, c'est Allemagne-Japon ou Maroc-Croatie? J'ai l'impression que les quatre rencontres sont pas mal quand même. Les deux premières affiches, là, il y a différence de culture, de football, tout ça, mais tu sens qu'il y a du ballon partout, quoi. J'ai programmé les quatre, mais j'ai mon clip à terminer, et j'ai juste le temps de dormir, j'ai le clip à terminer. Dites-moi lequel je dois sacrifier dans les quatre, là. Moi, je dirais le dernier. Belgique-Canada. Belgique-Canada. Faut que j'en sacrifie. En plus, on n'a aucun joueur de nos clubs qui joue dedans, donc... C'est vrai. Alors que après Allemagne-Japon, bon, c'est une belle rencontre, donc il n'y a pas besoin d'avoir un joueur de Paname, mais il y a ça. Ouais, bon. Okay. Vous avez Kerrer, Draxler, il peut pas le. Et au Japon, vous avez Sushi et Miyaki qui jouent aussi. C'est vrai, Sushi et Miyaki. On a Tako Miyaki aussi. Ah oui. Bon, en tout cas, pour cette émission spéciale, on fait moins long que d'habitude, quoique là, le temps il passe, on avait prévu de s'arrêter avant l'heure de d'habitude. On remercie Papa Furax qui vient alors que demain matin il se lève tôt, Franck aussi. Ces émissions-là seront toujours plus courtes. Hein. Vous avez le lien de la chaîne de Franck et de Papa Furax dans la description de cette vidéo, je vous les partage tout de même dans le chat. N'hésitez pas à les suivre, hein. Il y a de l'actualité sur leur chaîne, hein. Je vous le mets dans le chat et vous les avez dans la description de cette vidéo. C'est quoi l'actualité de ta chaîne d'abord, Papa Furax? Parce que toi, tu nous parles pas de l'actu, toi. Moi, c'est ce que je dis, ma chaîne est vie quand j'ai décidé de faire une vidéo. Là, j'ai fait une vidéo sur
ma joie de la victoire de l'équipe de France. Ah, j'allais voilà. pas me priver. Et ben bah voilà, bah voilà, il y a une vidéo de Papa Furax sur le match de ce soir. Voilà, tu vois, ça mais, c'est l'info. Mais je parle doucement parce que ma femme était partie se coucher. Ah, ça le fait. On va lui mettre un coup de marteau là, Mais ferme ta gueule. Je donne pas mon avis, c'est mieux. Parce que quand tu fais ça, tu le fais ou tu le fais pas. Mais après, c'est mon avis. Bon, Franck, qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne, ma gueule? Ah bah déjà, il y avait un live tout à l'heure, il y en a qui ont raté, vous avez loupé mon beau crâne, le live spécial de Milan. Ah, il paraît qu'on a vu la calvasse de Franck. Ouais, et je vous raconte pas aux 10 000, abonnés, les gars, ça va valoir le détour. On va faire un striptease, ouais. Okay. Il y en a qui ont vu la lune. Sinon, le prochain live, ce sera plutôt jeudi. Après, je ne sais pas encore si ce sera dans la journée ou le soir. Parce que malheureusement, je travaille que 2 heures jeudi. Et ils m'ont mis ça le soir. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais, okay. que je vais faire le live. Il y a Macam Sepanam, il demande si tu es plombier. Non, je ne suis pas plombier. Non. T'as capté. L'arrêt du plombier, non. Ouais, n'hésitez pas à follow Papa Furax et Franck. Encore une fois, les liens de leur chaîne respectives sont dans la description de cette vidéo. Merci Drixinho, merci Papa Furax, merci Franck, merci à tous pour votre présence et votre soutien. C'est la Coupe du Monde, on profite les gars ce soir. En plus, on est tous contents, c'est magnifique. On se retrouve dès demain matin pour le match du Maroc, les potos. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. On connaît les bails. Salut. Salut. Chris Maker TV and the Beat. Chris Maker TV and the Beat.